Laissez-moi dire que le conseil présidentiel transition ça, il déjà prend toute disposition pour révoquer gouvernement Gary Conille là. T'as bien samedi hein? Et pas révoquer Gary Conille seulement non? Et bien conseil présidentiel transition qui a pété ça, avec trois conseils qui connaît nos cités dans le scandale corruption BNC 100 millions de gouttes là, qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Ventilaire, Smith Augustin, Nekje Geta prend toute disposition, parce que nous connaissons 9 conseillers, il y a 7 qui ont droit de vote et il y a 2 observateurs. Même conseil qui n'a pas droit de vote, yo, qui c'est Régine Abraham, mettez avec Frinel Joseph, ils ont tous tombé d'accord pour que vous signez une résolution, pour vous signez un document, pour vous révoquer Gary Conille. Et révoquer Gary Conille, c'est révoquer gouvernement, c'est craser le gouvernement. Ça veut dire là que toute disposition qu'a prend là. Et n'est que clair, si que Gary Conille pas accepté pour yo passer main dans le gouvernement et pour yo révoquer ministre que n'est que besoin révoquer yo, eh bien c'est tout gouvernement que qu'a pété à révoquer à vous éjeter. Je dis en question à poser, qui est-ce qui va droit? Bien que c'est vrai, c'est qu'a pété nommer Gary Conille, OK? Mais Kapeta ge doit pour être capable de révoquer Gary Conille tout selon sa selon analyse. Mais kou la ça pour comprendre jodi hein, et si n'a chita sous base résultat, tendez bien, puisque et Kapeta a dit que pas satisfait de travail gouvernement, vous d'accord même? Mais kounya, est-ce que c'est seulement gouvernement que qui pas bay résultat? Est-ce que ni gouvernement ni Kapeta pas bay résultat? Parce que c'est deux têtes exécutives là qui oui. Haïti, ou pas qu'à critiquer le gouvernement et alors que ou laisser aller par les conseillants. Haïti, ni conseillant ni gouvernement, ils ont tous les deux, ils ont tous les deux échoué dans le moment. Parce que pas de yon, que nous avons un bon résultat là. Mais kounya, moun kap observe, moun kap suive, ils ont plus que Kapete yon. Et pas que son pays l'a réglé, mais c'est que son poste ministériel. Moun kap gade et moun kap observe tout. Yo e Gary Conille, et pas cause pays vin réglé, mais c'est cause bagage médiatique. Montrer si, montrer ça, montrer la fesse le bord. Alors que réalité hein, et problème n'a toujours été en entier. Et c'est là, et ça fait, gade moun ki dit tête que, ni Kapete, ni Conille, mais yo tout les débats réglé en un sérieux, mette avec la police lui-même qui a fait démagogie, et la mère fait démagogie et mission fait démagogie. Donc je dis, hein, peuple haïtien comprend que pas gagner aucun homme qui l'a eu, qu'il y a les autorités qui travaillent dans l'intérêt, peuple haïtien désivenait ça. Blaise Tasson, c'est tête qui est québécois. Ou t'es pas tête la petit 18, mais c'est les québécois. Si tête la pague bon gens et support, ou bien si tête la pague bon gens assise, et bien quoi pas en équilibre. Je dis, si pays a mal marché, si la police pas fonctionner, si l'armée pas fonctionner, si ensemble ministère pas fonctionner, on nous dit c'est tête là qui pas bon. Qui est-ce qui tête là? Je dis il y a le premier ministre Dr Gary Conille, des conseillers présidentiels, le tout c'est des missionnaires que yo y. Pour nous les haïtiens, il y a malache. Pour la communauté internationale, c'est perfect, c'est parfait, ça y a fait là les personnes. Parce que c'est un vaste plan, un vaste complot qui a divers plans là-dedans. Il y a avancé là-dedans, marche par marche, étape par étape, tant que Jean Blanc a dit step by step. Aïe, Blanc parle, Blanc dit pas pressé dessus. On a fait step by step, nous pas pressé. Et chaque tête est fait, manger nous comme peuple, nous estimons qu'il n'est pas bon. Blanc dit good job. Je dis un massacre a fait, nous avons perdu la vie, bandit a annoncé, massacre a fait. Ok? La police pas prend dispositif, CSPN pas décidé. Mais pour Blanc, c'est good job. Parce que la vente plus d'âmes, la vente plus munitions et la vente plus territoire. La vente plus temps pour faire plus l'argent avec le pays d'Haïti. C'est ça qu'a fait là. Nous devons comprendre. Nous grottons, nous traversons la rue pour nous, nous mangeons pour nous, nous boire pour nous. Descend 20 l'année, indépendant, il n'y pas un jouet. Nous devons comprendre ça, je veux dire. Blaise Peterson, tout ça qu'a fait là, n'est que théâtre. Conseil présidentiel, yo connaît, yo pas pi bien placé passer ça. Puis yo retire Gary Conille dans tête gouvernement. Mais yo plutôt abjurer l'opinion publique. Retire Gary Conille, Blaise Peterson, selon accord 3 avril, c'est tout nèg yo pralé.
c'est vrai c'est nèg qui t'a voté Gary Conny. Mais pas oublier Gary Conny, c'est grand patron gros Gary Conny. C'est organisme régional qui mettait conseil présidentiel transition. Donc tout ça moi-même, ou comme ça fait mal, c'est parce que moi pas ouais intérêt pays d'Haïti là-dedans. Mm-hmm. OK? Sinon grimace que nèg a fait là, neuf conseil présidentiel yo, ensemble ministre qui là yo. C'est eux-mêmes qui t'a c'est eux-mêmes qui t'a victime dans massacre yo. C'est eux-mêmes petit pas de l'école. M'ta dit, je m'en fous, pas de problème qui te passe. Mais je veux dire, c'est peuple haïtien qui a victime. Nous ne pas quitter la bagarre comme ça. La police rive cabaret, Blaise Tesson. Non, moins que 24 heures, yo font une vidéo pour montrer que yo récupéré commissariat cabaret. Quelques heures plus tard, IVD, unité village de Dieu, en uniforme. Et Blaise Tesson, ou est-ce que ça dans IVD? Nexa recevoir formation académique oui. Exact. Comme Nexa yo, protezam Nexa yo, c'est pas n'importe qui dit ça pas non. Exact. Positionnement nèg yo Blaise, même nèg qui avec massacre crasé Mirage commissariat, où est son nèg son professionnel oui, dans question zam oui. Mm-hmm. Position mettez zam nan niveau que la pleve mato ki dans men là. Et c'est à comparer vidéo quand on te ouais, agent soit tu t'as crasé mi nan grecier. Tu as fait pénétration dans grecier. Exact. Ou après, n'a pas même posture. Ça veut dire, moi me très douté, c'est pas même formateur qui a fait formation pour unité de l'élite qui dans la police. Est-ce que c'est pas même lui-même qui a fait formation pour gang dans le pays? Ne pas oublier Dimitri Era tout, non? Dimitri Era sont moins que rien. Oui, Dimitri Era qui a fait formation pour eux. Est-ce que même n'est qui dans ambassade américaine, ambassade du Canada, ambassade de la France qui a fait formation pour police nationale là, surtout unité d'élite, est-ce que pas fait formation pour gagner dans le pays? Ça qui a passé à Blaise, il est très douteux et très maléfique. Faut que nous prenions position. Est-ce que n'ego gè couille pour faire ça? M'a dit non, n'ego pas gè chromosome, n'ego pas gè couille, yo pas ka fèl. Et ensemble questionnement qui n'a fait là yo, pas gè youn dans conseil présidentiel yo ka fèl. Pas gè youn dans ministère yo ka fèl. Parce que n'ego attaché avec job. Je suis en pile dans n'ego sensible. Chaque nèg yo la essayer de blanc pa yo pour wè si yo ka assiré ou pour ka kembe place yo. Chaque nèg a blanc pa yo parce que chaque nèg mon groupe blanc dans deux ou pas que nèg sensible pour voyage. Ça ka passe dans pays c'est sensibilité pour visa, sensibilité pour résidence parce que en pile nèg yo la qui ministre qui président c'est résident des États-Unis d'Amérique. Exact. Yo pa quel intérêt en dans pays non. Y a continuer goumer. Kou nou attendez comme ce sont des esclaves. OK. Esclave à talent, esclave avancé, mettre la dit la fond paraître. CARICOM, essayez de demander au premier de donner divin. Parce que c'est avec CARICOM qui vous êtes servi pour vous mettre au côté. Oui, là. Est-ce qu'il y a tant de la raison? Et c'est ma première fois que CARICOM parle de ça. Ou elle n'est pas ouais, il pas attendu, il continue à avancer, il continue à faire bêtises, il continue à faire tétin pendant que Timoun pas à l'école. Je dis à pas poser tête aux questions. Timoun Solino, Timoun Akaye, Timoun Delma 24, Timoun pour sonder. Est-ce que Timoun ça va à l'école? Lester, meilleur t'es annoncé d'après le massacre dans la commune Lester. Je veux dire, c'est grâce avec vigilance population qui va monsieur pas faire massacre hier dans la commune Lester. Et qui en pile cause qui a parlé sur les oies. Contactez magistrat Lester, nous pouvons joindre information dans elle. Mais qui information selon ça, nous, ouais, plusieurs médias publiés. T'as divers pour nous qui victime dans la commune Lester. Qui ça cause? Les actions bandits ont prédit, ils ont annoncé et puis ils ont fait facile qu'on s'appelle cette personne. Nous t'avons posé cette question. Nous t'avons dit tête ton bagaille. Qui ça qui la cause? Est-ce qu'elle n'a pas gommé caché d'elle? Je dis à cette personne. Après conférence, COP 16, que Leslie Voltaire t'a participé, il fait quoi qu'elle te gagne, il y a une rencontre qui est importante tout le temps. Toute fois qu'elle est sortie, il y a tout le temps dit qu'elle a une rencontre importante. Rencontre important qui ça a opoté. Exactement, résultat. Qui ça a opoté? Négocier charabia, parler toute journée, si vous avez fait rencontre si, y a fait propagande. Y a des monde qui a écrit pour yo sur toute plateforme réseaux sociaux. Les gens étaient rencontrés avec Antonio Guterres. Qui ça Antonio Guterres a opoté? Parce que Antonio Guterres pour côté de blabla, il te dit que n'est pas normal, il y a besoin de 600 millions de dollars pour question mission pour que en d'un pays là, les guerres, yo bail, les pas yo pas son bail. Qui ça work fait? Leslie Voltaire a fouté tétenade pour passer mon nan tété quand elle mandé des personnes pour yo transformer mission multinationale en yon mission métier de la paix. Ça nous aide mon ambassade toujours. Divers moun des personnes qui gain connaissance dans relation internationale. Divers diplomates dit ça li impossible parce que assemblée a te décidé sur question ça déjà. Non mais ce qu'on moi
nèg yo pou yo kawe pou moun kawe ki a parlé pou yo kawe ki a défendre pou fè temps passé et bien yo arrangé yo renouvelé ou fè même demande pendant République Dominicaine même li continue à frapper président dominicain Luis Abinadel dit pas gen intention pas autorisation pour reprendre vol entre République d'Haïti ak République Dominicaine c'est ça chef gouvernement dominicain dit chef l'état a dit parce que les tout temps ça qu'a passé dans pays d'Haïti a yo pas amélioré li pas pouvoir espace frère pour bay avion vin atterri selon li ça qu'a polluer espace mia non ça même qui s'est passé là selon Nations Unies qui a radoté on ta ka di son membre parce que OIM c'est yon organisme non gouvernemental américain ou bien international qui dit c'est plus passé 21710 moun qui kouri kite kayo nan pile moun sa yo par un besoin que bien pile pou pa gen de nouveau bandi la dedans parce que yo pral nan abri yo yo pral nan kayo yo pa vin assistance assez bagala très difficile pou yo blesse personne. Désir, moi c'est que nous pral venir avec des réactions surtout avec ton connaissance Maniga qui c'est chef cabinet PM Gary Kouni. Et monsieur, c'est comme quoi monsieur t'a expliqué et côté vrai problème qui existait entre Capet avec Gary Kouni l'en sorti. OK. Et monsieur montrer tout comment que PM n'a quand même était peut-être minimisé et ça gueule comme situation. Nous pral venir avec ça comme déclaration. Et sans oublier Coupier Espérance les mêmes défense des droits humains qui parlait concernant trois et conseillers présidents que n'a aussi dans scandale la corruption et je dis en juge à Félix Mbenjamin éviter et déjà ancien président conseil d'administration BNC à Raoul Pascal Pierre lui il éviter tout et Lucien Gilles mais ouais et avocat Emmanuel Vertilé mec Gabi Guerrier li mettait en quoi pour que client là Emmanuel Vertilé pour pas aller répondre question juge Benjamin Félixme. Il clairement dit avec juge Benjamin Félixme, les bagues compétences pour ça. D'ailleurs, c'est à recours de justice qui t'a doué attendre et conseiller ça yo parce que yo gagné ça relé attribution président. Là je dis hein, bagarre très compliqué. Est-ce que le général Gilles prêt aller ou pas? Nous pas connait. Est-ce que les juges a invité Emmanuel Vettile? Est-ce qu'il m'a obligé à aller? Obligé à aller. Yo obligé à aller Blaise. Oh parce bon. Que c'était eux-mêmes qui étaient décidé à faire enquêter ILCC autant de yo. ILCC et produit un rapport, li mandé mettre action publique en mouvement. C'est nèg qui a commencé processus ça. Ça quelqu'un dit nèg pas sérieux. Depuis nèg qui était descendre dans ILCC pour faire enquêter autant de yo, yo était doué démissionner parce que yo montré gain pas de faiblesse parce que connaît c'est votre coup de justice qui t'a doué tant de yo qui siégeait entre le parlement. C'est le Parlement, chambre basse et chambre haute, qui constitue votre cour de justice. N'est-ce pas oublié ça? N'est-ce pas peut-être aller dans pièce? Que n'est-ce pas préparé pour y aller devant la justice, pour la justice dans les situations? Ne pas oublier que n'est-ce pas fait ça dans l'esprit de corps désir? N'est-ce pas fait esprit de corps? L'homme dit esprit de corps, ça me dit pas là. C'est que n'est-ce pas fait un gel là pour que, et si le GH il allait, l'autre n'est-ce pas aller? Et si le GH il pas aller, l'autre de n'est-ce pas doit aller? Bah là, c'est éclair désir. On nous comprend, non? Si deux nèg yo, si le GH il allait, l'autre deux conseillers doit aller. Et si le GH il pas aller, eh bien l'autre conseiller va doit aller. Alors conseiller qui implique oui, à bien dire. Donc c'est ça bagala là. Mais kounya l'entendez on lecteur Koué Liné Baltazar, dirigeant PHTK et monsieur dit le fait que kounya est dossier dans la justice et la justice invite nèg yo, mais tous les trois conseillers c'est des inculpés, c'est des accusés. Donc, je dis, hein, le fait que c'est des accusés, c'est des inculpés, ils n'ont pas digne qu'ils étaient capables d'un conseil présidentiel transition. Hein. Et je dis, hein, mais c'est même conseil ça, yo, qui, je dis, a déjà signé, en a dit résolution pour révoquer Ariel et Gary Kouni. Kouni, on nous regarde, est-ce que Kouni a là, dit révoquer Gary Kouni? C'est vrai, tout le monde, en plus, monde d'accord que Gary Kouni, jusqu'à présent, là, ouais, et pas comme si, et ça le dit, yo, pourquoi il y a fait vraiment? Mais est-ce que c'est pas à recommencer encore? Et parce que révoquer Gary Kouni, c'est pral et on dit consulter ensemble de acteurs politiques pour jeune qui est qui va venir premier ministre et Kouni a chouchou quoi premier ministre nan, et travail Kouni pour qui est qui va venir ministre nan, ministériel tout ça pral mandé ensemble de temps dans intervalle 2 3 4 5 mois Kouni nego même il pense n'importe 2 3 4 5 ans au devant yo il a fait temps passé Kouni a le 7 février 2026 arrivé on a dit bon ou connaît il a été changé gouvernement et ça t'a pris petit temps puis il a fait ci peut-être fait ça ou on dit nèg yo a joué sous ensemble de crise qui gen là nèg a provoqué crise là
que yo t'ai déjà créé comme parti politique, comme des secteurs de société, hein, dans armée jeunes garçons dans pays, hein, OK, n'a créé ça là comme situation, qu'il y a yo veut que pour à la fois et créer et bénéficier de lui encore. Pendant ces temps, mon yo a mouri, mon a couru par-ci par-là, en babal bandi, en babal assassin, qui donc je dis, hein, essayer comprendre, essayer garder ça là comme réalité des jeunes. Mais j'aime dire à désir. Et soit ajouté, on met ajouté parce que Mgal vini avec Nesmi Maniga, qui c'est chef cabinet PM Ariel et Gary Kounin, qui a parlé concernant de ce qui est pour avec, et ça qui a mené bataille qui est là comme goumé entre Gary Kounin et puis Map Kapeteo. La situation, les ou la façon, ou bien les gars arrangé quand même, pour rejoindre entre eux, ou bien la population haïtienne prend responsabilité pour destituer tout l'exil. Nous voulons que tout le monde comprenne. Nous sommes obligés de jouer une entente entre eux qui permet que vous fassiez mascarade, que vous fassiez transition, que vous respectez pour le résultat sans doute que tout le monde souhaite ou bien le peuple haïtien arrange le destitué. Moi, je ne sais pas comprendre est-ce que c'est haïtien qui arrive dans le niveau, dans la dimension côté lâche comme ça. Il y a un groupe qui arrange, il est rentré dans un vaste complot où il a assassiné petit non, où il a décapitalisé et puis il a brûlé dans le gardien. Yo kembe nan yo nan role yo continue à prendre décision pour nous nous pas tête moyen je tiens et si moi que ou investir là-dedans ou goumer pour venir quelque chose dans la société eh bien pita la ou gal d'accord que dit ou c'est Emmanuel Ventilier qui modèle lui c'est Smith Augustin qui modèle lui c'est lui Gérard Gilles qui modèle lui dans qui ça dans volé je tiens quel était barbecue quel était iso quel était la moisson jour et quel était Jeff Canaan quel était Luxon là quel était meilleur dans coco à sa la tibonite et ben next ça yo tant que yo tout tab dit yo pas plus gros voleur c'est nèg qui a cravate qui dans l'état geti voleur que nous demander touyé gen gros voleur que nous pas demander touyé m'a tande arabe qui al wana met bless person dans espace côté ou t'es arrêté citoyen que les bois calé qui a travail non zone dans les zones franches pour ça que ou arrêté arabe parti avec bot ancien sénateur Yuri La Tortue. Il si y a prélé Yuri La Tortue sénateur. Eh bien, et barbecue qui sa barbecue lui-même. Parce que c'est nèg qui arrange yo qui gâte tout pays a dans distribuer zam. Et je dis nèg yo a tenté réparer. Conclusion, rapport groupe expert Nations Unies, li metton diary dans la ria. Malgré le passé, moi barbecue réagit sous lui. Barbecue dit 90%. Ça a dit dans rapport enquête là, c'est menti. Parce que, et rapport enquête ça, yo indexé Guy Philippe là-dedans. Pour dire que Guy Philippe qui d'ailleurs vivent ensemble, yo questionné agent Bessap qui côté yon zam. Ben, après, on a dit, si nèg yo sérieux, qui côté Guy Philippe te, dans moment Genève en famille allié, qui côté Guy Philippe te, dans moment vivant ensemble, est-ce que Guy Philippe te ko sorti dans prison? Qui rapport qui peut-être quelqu'un bien? Et barbecue dit, lui-même, l'a fait bataille pâle, Guy Philippe a fait bataille pâle. Est-ce que nous comprenons? Je veux dire, nous avons un pays qui a essayé d'entraîner les bagailles pour bouiller toute puissance qui permet que nous avancer pour chercher résolution avec le problème. Et nous avons un peuple qui a gardé, qui va le mettre dans le monde pour la réclamer droit, pour la faire défensive. Net, ça n'a pas plus mauvais passé nous. Il n'y a pas plus mauvais passé nous, nous-mêmes qui c'est peuple. C'est pas tout, ouais, utiliser la police comme milice. Je veux dire, qu'il y a un coup pour deux, trois petits bandits à ça, qui pas même une formation académique, mais pour c'est nous-mêmes. Nous te mettons 10 000, 30 000, 40 000 dans l'arrière, nous avons manifesté pacifiquement, nous n'avons pas un homme qui représente le danger. Il y a tout le gaz lacrymogène, il y a ban ou bâton, il y a tiré balle derrière nous. Même parce que nous avons besoin de responsabilité pour nous rendre que le pays a pour le salter avant. Parce que vagabond ça, qui dans le pouvoir là, c'est pion l'Occident qui est, c'est jouet l'Occident qui a joué. Tout le temps que plus monde mourit, le plus bon pour l'Occident a préjugé la situation. En nouvelle avec Nesmi Maniga, j'en dis chef cabinet PM Gary Kounin, monsieur qui parle sous conflit qui gagne entre KPT et puis PM, non? L'État a répondu à une question qu'on ferait nous dans Magique 9, émission panel magique. En dedans de monsieur, moi, désir faire entrer et sortir des parties que monsieur dit qui méritent intervention, non, analyse, compréhension, non, l'appel des événements. Bonjour Maniga, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour, ma salue tout panel là, ma salue tout auditrice, auditeur et internaute qui a écouté tout partout à travers le monde. Merci. On a regardé plusieurs points, notamment la situation actuellement là. Et nous prenons regarder tout le fonctionnement du gouvernement et relation avec CPT, pendant que CPT, et CPT dit même
l'inonge doit être 17 longueurs sous la situation est là. Pour le CPT, c'est comme quand le gouvernement n'imprime pas. C'est nous-mêmes qui baillons, c'est le gouvernement qui baille responsable de la situation. Nous parlons ça ensemble avec vous. Mais, moi, je vais vous demander, qui est le gouvernement dans le moment où on a parlé là? Bon, d'abord, merci pour l'opportunité que vous baillez justement au gouvernement. Et puis, moi-même, comme directeur cabinet Premier ministre, Dr. Gary Koni, pour nous capables de faire le point sous conjoncture là, parce que ça fait partie de responsabilité, rendre compte. Ça dit désir. Comme c'est directeur cabinet. Il y a chef cabinet. Oh, et ça, c'est PHT qui a dirigé. Et c'est chef cabinet, mais c'est oui. Bon. Ça fait partie de responsabilité et transparence. Et c'est normal pour de temps en temps, le gouvernement vient expliquer qui côté l'inertie feuille de route gouvernement. Son gouvernement qui montait dans moi âgé. Et le professeur Nice Maniga, qui est directeur cabinet, j'en ai capable de dire, et chef cabinet PM Gary Koni, et qui c'est nous connaît, qui c'est lui-même, qui joint une bénédiction et KPT à lui-même, ok? Et nous allons regarder ça avec PM Gary Koni. Pardon, chef cabinet, qui c'est Nice Maniga, m'a dit, mais moi connaît. Ça a toujours été tantôt parce qu'on connaît. On est venu avec Nice Maniga. Qui montait dans moi âgé? 2024, la période de 4 mois, son gouvernement qui gagne 14 ministres là-dedans, son gouvernement que le premier ministre avec CPTA, non souci de ne pas perdre du temps, t'es monté pratiquement dans moins que 1 semaine. Et c'est comme ça, le premier ministre, j'étais décidé pour ne pas perdre du temps, parce que la situation, c'est une crise nouillée, parce que vraie crise là, selon le premier ministre, c'est attaquer le dossier sécuritaire, résoudre le problème sécuritaire. Vraie crise là, c'est résoudre la crise humanitaire. Là. Question gouvernance là, sont questions qu'il a en support, mais ce n'est pas lui le problème là. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas perdre du temps. Il a accepté que le secteur, nos esprits de collaboration, sur 14 ministres qu'il a nous dit, tu vas 10 ministres. Et c'est à cause ça qui est inspiré du texte à 3 avril là, qui fait le gouvernement gagner. 4 mois depuis la fonctionner, et nos esprits de collaboration tout, pour nous capables de dire, gouvernement, avec CPTA, mettait en place 2 budgets. Un budget rectificatif, qui était pratiquement fait très bon, qui était 3 mois pour l'exercice fiscal l'a fini, et dès mois juillet, gouvernement, qui était en bas chaque ministre en feuille de route. Dès août, un budget rectificatif était disponible, il faut un conseil des ministres. Même là, malheureusement, ministre, c'est un mois où tu es gagné pour exécuter feuille de route ça, fiscalement parlant. Donc, nous allons parler de mois septembre. Et puis, rapidement, Premier ministre, mission avec CPTA, qui mettait d'accord sur le budget exercice 2024-2025, là, qui t'a gagné la donne, expression que feuille de route a gagné, instruction que le Premier ministre a bail pour que priorité, c'est sécurité, budget de l'armée va augmenter de plus de 400%. Budget ministère justice, budget sécurité va augmenter globalement tout de plus de 33%. Et puis, le secteur humanitaire qui a pris crise sociale va augmenter tout. En particulier, là, on va regarder, ministère et éducation, ils sont gros morceaux. L'autre ministère qui a charrié question qui est pour avec crise là. Agriculture, on a parlé de ni ça qui est pour avec travaux publics, ni ça qui est pour avec en valeur absolue. Par rapport à côté, par rapport à ça, on a exécuté dans 23-24 là, ou pas l'augmenter en 24-25. Donc, ça va être très important pour nous considérer ça, naturellement. Et ça, c'est pour en plus, il faut regarder ça qui est difficile, mais il faut regarder ça qui est fait. En ça qui fait, il y a 2 budgets votés, 2 budgets en exécution, même si, il faut nous dire tout, ministre, c'est 2 graines de mois seulement au gain depuis, avec exécuté financièrement, fiscalement, au mois pour le budget rectificatif là, et au mois pour ce début de l'exercice. C'est là le gouvernement. Feuille de route très clair sur 5 chantiers de transition qui sont là encore là. C'est sécurité, 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 qui c'est le premier bagage. Et là, priorité gouvernement, d'ailleurs, ouais, que le premier ministre a avancé plusieurs fois, c'est commencer avec recrutement jeunes femmes, jeunes garçons dans la police, dans l'armée. Recrutement pour non seulement qui peut commencer à passer de l'exercice ça, de 10 000 jeunes tout, dans le secteur qui puis, porteur
de l'autre partie résilience pays, qui c'est éducation, qui c'est santé, ainsi de suite. Et puis c'est mettre en place programme social là, à travers le ministère des Affaires sociales, qui a un gros projet subvention, qui est là dans comme secteur qui bénéficie de l'engrenement, qui a un ministère de l'éducation nationale, de la voie publique, avec environnement, qui a géré dossier, qui a pour avec assainissement. C'est là, nous, aujourd'hui, hein, et tout effort gouvernement, c'est sous sécurité que lié, en particulier. Ok. Nous donnons où, et où clairement souligner que ces 14 ministres qui en poste, et ce 14 ministres, 10 sortis dans le conseil présidentiel là. Mais je vais parler à là, M. Maniga, mon patron, c'est chef cabinet premier ministre. Je vais parler à là, comprendre d'un tout, gouvernement fait tout ça, le dégayé humainement pour le défaire, l'y faire. Mais constat, c'est que, ben, elle a bloqué quelque part. Qui compte le bloqué là? Qui fait qu'une beaucoup carré résultat, yo? 4 mois après, gouvernement. Bon, oui, qui est-ce là qu'on est à côté de problème? Parce que si Jean. C'est pas blé, t'as bien désir. Elle dit, secteur, dans 14 ministères, là, il y a tout secteur connecté qui est dans le KPT, il y a tout voyé ministre. Là, il faut comprendre, si il y a échec de gouvernement, c'est échec secteur, c'est échec KPT en tout. Et là, pour moi, je comprends ça. Elle dit, échec gouvernement, c'est échec KPT, c'est échec secteur que tu voyé ministre. Parce que c'est parce que 10 ministres qui sont dans le gouvernement, 14 ministres dans le gouvernement, mais que 10 dans yo, c'est de monde qui sont dans des secteurs dans le pays, de partis politiques, et c'est de membres dans le KPT, c'est de partis scriptibles et secteurs que tu voyé ministre dans le KPT, c'est eux-mêmes tout qui voyé ministre en dedans et gouvernement. Vous avez du bagage désir. Oui, mais c'est échec tout le monde. Moi-même, ça ne m'a pas compris. Je ne sais pas si je suis tout le monde pour égarer. Il a dit que le gouvernement n'est pas bas résultat. Ou bien, il n'a pas respecté ça. Mais est-ce que vous n'avez pas gagné responsabilité tout le monde? Parce que pour tout le gouvernement, nous, chaque, nous sommes contents de bailler au ministre. Ça a gagné ministère agriculture, ministère finance, ministère ceci, ministère cela. Non, mais vous pouvez continuer à régler à faire par eux. Nèg a préparé l'argent pour y faire élection bonne maintenant et puis on dit un pour peuple je dis qu'il a passé moun nan bêtise pour faire temps passé. Mais c'est temps que nèg veut faire passer. C'est jouer communauté internationale la cap toujours. Là que même m'a garder peuple là dans hier. Il veut comprendre est-ce que il y a d'accord qui te ça cap passer à la pour river dans dimanche côté au bras là vers la blaise. On avance avec les Maniga. Elle a bloqué quelque part. Qui côté le bloqué là qui fait qu'une beaucoup carré résultat yo. 4 mois après gouvernement. Bon. M'a rappelé et ça que le premier ministre dit souvent, Dr. Gary Conille, l'idée avant de venir, la crise là était totalement sous-évaluée, sous-estimée en grande partie par les acteurs haïtiens en place et par la communauté internationale. Crise là était tellement sous-estimée, sous-évaluée par la communauté internationale là, par les acteurs haïtiens, d'ailleurs, ouais, avec un pile pudeur, nous parler de force internationale qui vient d'elle. Nous avons préféré choisir nos missions pour nous en mission d'appui à la police. L'armée n'a pas fait partie de la donne parce que nous n'avons pas réalisé jusqu'à qui point effectivement profondeur crise là, que ce soit par non seulement force de frappe, force de feu, que nous avons dit les troubles, nous avons pas de bandits en particulier, mais non seulement par qui niveau ressources, qui niveau l'argent qui a besoin pour supporter. Même mission la paix ça, même mission qui est venue pour supporter la police ça. Je tiens, avec le premier ministre qui est allé dans plusieurs contre international, à Washington, à New York, au Kenya, rencontrant pile acteurs pour expliquer que crise ça, y a été sous-estimé, crise ça, y a été mal évalué. D'ailleurs, ouais, je tiens, avec qui empressement, communauté internationale là, pour réaliser ça, qui fait que le pral même aller commencer à faire plaidoyer pour mission de maintien de la paix des Nations Unies. Bien sûr, qui pas même ça n'est guerre, qui évolue, en façon pour nous capable de gagner l'autre type d'équipement, l'autre type de force qui accompagne le ça. Nous ne pouvons pas uniquement parler de mission comme telle, avec des possibilités de ça, où l'État membre capable de mettre plus de moyens, plus d'argent, et puis moyen tout. Moyen, nous avons dit, ça, mission, tout qui permet de le plus vite. Donc, ça, c'est pour partie qui fait que dans 4 mois, ça y est, sous-évaluation, sous-estimation de crise ça, avant pour ministre de venir, que la PC rectifie à travers toute intervention la fait au niveau international, tout voyage la fait au niveau international, on a le plus vite. Mais ceci dit, 4 mois ça, pour population, c'est 4 ans. Parce que c'est passant pile temps à souffrir, et seule sa population peut j'attendre aujourd'hui. Hein. C'est pas qui crise qui vient de CPT avec primature, parce que tant pis fois, c'est crise passant, il y a dit,
crise, c'est une crise ni humainement, ni par humainement, crise de sécurité. Pour la population, ce n'est pas ça qui intéresse la population. La population a besoin, je vous dis, moi-même, d'agir en tant que porte-parole pour les ministres, porte-parole gouvernement, en ma qualité de chef de cabinet. Ça, que je veux entendre, c'est qui joue qui l'a dans la pouvoir au sud, qui joue qui l'a dans la pouvoir au nord, qui joue qui l'a dans la tourner la caille. Si vous n'avez pas de réponse à ça, toutes les paroles ne sont pas intéressées, vous êtes d'accord avec vous. Comme citoyen, vous êtes demandé plus toujours. Et vous comprenez que vous dites, vous comprenez que l'émission, ce n'est pas ça qui intéresse. Il y a tant de jours, il y a tant de l'heure pour tourner la caille. Mais, malheureusement, 4 mois, qui sont des 4 ans, c'est 4 mois pour monter au gouvernement, même les affaires très rapidement, 4 mois pour faire budget, 4 mois pour bailler moyen, 4 mois pour commencer à changer stratégie okay. Pour que les plus adaptés à la conjoncture. Situation pays a été sous-évaluée, sous-estimée, c'est ce que je dis là. Maintenant, nous faisons une nouvelle évaluation. Et je suppose que nous portons les équipe de droit dans la communauté internationale là. Et puisque si je comprends bien, responsable là, qui fait que le gouvernement pour qu'on a imprimé et après 4 mois que nous avons dirigé, c'est parce que ça nous dépensait, c'est parce que ça nous joint en termes de problèmes de sécurité et problèmes économiques. Qu'on a nous fait évaluation, nous connaissons la réalité. Nous bah les bah qui est nous bah une nouvelle évaluation ça et qui promet ce qui fait à gouvernement pour que vos réponses qui bah à nouvelle évaluation ça nous fait des réalités pays. M'a dit de bagarre. Premier ça pas attendre évaluation pour la vie. Premier ça pas attendre mission éventuellement s'il a changé parce que le président Voltaire mentait ça formellement à la communauté internationale là pour transformer ça en autre type de mission. Mais premier ça pas attendre. Et le bail, toute ministère d'instruction, c'est pas parce que nous pouvons joindre tout moyen, d'ailleurs, ou capable, combien ça fait déjà, avant qu'ils soient évaluation, c'est propre évaluation, pas nous, qui fait que nous avons l'autre forme budget, qui fait qu'on ait une augmentation dans différents secteurs clés, justice, qui gagne la donne, sécurité publique, la police, l'armée, qui vient d'où il y a plus moyen, moyen humain, et ils ont fait là, qui commençait déjà. Nous, pas tant, il y a beaucoup de monde qui commençait déjà, il y a une disposition qui prend déjà pour que le ministère ça ait plus moyens financiers dans mais naturellement il y a l'autre problème qui était pour résoudre nous pas tant d'évaluation ça gouvernement commencer à agir dans ce ça maintenant l'homme dit agir population pas dire pas ouais en pile bail qu'a fait à terre aujourd'hui c'est très clair par exemple cashback 3% on dining. Et on a essayé d'avancer avec toujours avec Anessi Maniga, puisque lui-même, lui, c'est chef cabinet PM Gary Conny. On a gardé ça avec lui, on a continué à garder ça avec lui. Et on continue à garder avec PM, avec chef cabinet PM, non? Et vraiment, je dis à monsieur, bien content, monsieur, qu'on est tout, et pas en question des batailles, remaniements, dans le gouvernement qui intéresse la population, ça qui intéresse là, c'est question, et résultat, question de sécurité. Ça qui annonce pour entrer l'école là, en plus, les parents commencent à se joindre déjà et nous capables d'interviewer le ministre de l'Éducation nationale. Là, la parole dit exactement qui quantité parents commencent à se joindre ça déjà. L'un a parlé avec le ministre des Affaires sociales, là, la dit exactement combien d'activités qu'a fait concrètement sur le terrain. Naturellement, lors de situation de désastre humanitaire, ça qu'a fait là, la parole prend pile temps pour le visible. Parce que c'est pas parce que 10, 15, 20, 30, 40 parents recevoir, c'est pas parce que quelques communautés commencent à recevoir soutien, qu'on après visiblement ça, parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas retourner à la caillou. En réalité, quand il y a un camp de déplacer qui toujours été dans la même place, parce que situation, ça y est, et c'est capable de dire que chaque jour, chaque fois qu'il y a moyen en conseil des ministres, le premier ministre, Dr. Gary Conny, a dit, il voulait la situation à plus vite, plus bien, et c'est un mécanisme, 4 mois ça, qu'on a essayé, faire ça que vous avez fait. Sous cette situation sécuritaire, naturellement, la police a fait face. Et l'armée a une situation que c'est peut-être pour une fois faire face à eux. C'est 5 ou 6 fois en même temps qu'il a résisté pour aller pour bagarre la pas plus grave. Que ce soit situation pour Port-au-Prince, que ce soit sac à privé dans la Tibonite, que ce soit sac à privé Grissier, sac à privé Croix-des-Bouquets, sac à privé dans la zone Solinois, c'est plusieurs fois en même temps que la police a résisté pour que situation Québec, en attendant qu'il y ait plus moyens qui sont déployés, c'est l'année. Et en pile, moi-même, je suis capable de jouer. Moi, j'ai chance de rencontrer un pile héros, un pile héroïne. Chaque fois, je regarde dans quelles conditions policiers ont mouru. Songez trois policiers UTAG qui malheureusement ont disparu, qui perdent du vie. Pour une soeur, être en contact avec veuve, et on qui a accouché l'autre jour. C'est des situations humaines que pendant, nous comprenons que nous manquons, ouais, ça nous est, ouais, un pile héros qui a boumé. C'est pas facile, je pense à eux. Donc, c'est là, aujourd'hui,
et penser que gain plus parler avec le ministre a expliquer exactement côté oui. 4 mois après, je suppose que nous parlons d'évaluation encore, et évaluation est supposé finie, et pour nous agir, et on se reconnaît que la population, on se dit que nous n'avons pas agi, mais la population n'a pas elle, et c'est en réalité, la population attend toujours. Maintenant, des articulations qui gagnent entre gouvernement avec conseil présidentiel là, c'est l'imbra d'aborder ensemble avec vous là. Quand on a l'impression que chacun fait par eux, sous bon par eux, et non matin, Premier ministre a rencontré l'état-major l'armée. Après ça, moi, c'est passé 24 heures après, CPT a rencontré même l'armée. Ça, au Québec, c'est deux pouvoirs qui n'ont seul pays. Chaque fois, il y a un agenda par eux, chaque fois, fait bagarre par. Pas qu'on synergie entre deux pouvoirs. Ça. Est-ce que vous êtes capable de dire ça a contribué tout à manque de résultats? Nous avons assisté là, bon côté pouvoir exécutif là, comme base du gouvernement en particulier? Je ne pas dramatiser une situation comme ça. Du tout. Si aujourd'hui on dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fonds budget rectificatif, on est d'accord avant. Si on dit le gouvernement avec CPT a pas de cas fonds budget, que mettez-vous d'accord pour que toutes 14 ministres, je moyen, 10 ministres qui sont dans le secteur, plus 4 ministres qui sont dans le périmètre direct, que pour nous ça t'es choisi, t'es proposé, pas choisi, non, t'es proposé, on a dit oui, le sang bloqué. Le ministre avec CPT, il a fait deux budgets dans 4 mois. Ils ont mis en place un conseil électoral provisoire, bien sûr qu'il manquait deux membres qui méritaient avancer. Ils ont mis en place et comité pilotage de conférence nationale là, qui c'est seulement le gouvernement gagné là, c'est faire élection. Même temps, monsieur Maniga, au ministre pendant plusieurs fois, on connaît très bien élaboration en budget, c'est pas ça qui a résoudre la crise. On est capable toujours de budget, et toujours de budget, et toujours ça qui s'est passé. Attends-moi, c'est pas ça qui résout la crise là. Budget, c'est expression, moi, ils ont besoin. Après ça, il y a plan d'action. C'est pas ça, me dit. Mais si tu as une impossibilité de collaboration, nous pas d'avoir budget. Nous pas d'avoir aujourd'hui un conseil des ministres, nous disons que si vous faites ça, ils ont demandé de faire, ils ont fait élection au premier jet du conseil électoral là. Comité pilotage là, mis en place. C'est mandat, ça, nous gagne. Et là, on a avancé. Maintenant, on se dit que, dans pile rumeur qui a circulé, dans pile parole qui a dit, sous impossibilité de collaboration, moi-même, je suis capable de dire pas aussi dramatique que ça qu'a parlé. Et normalement, nos conseils exceptionnels, où il y a 9 conseillers, où il y a un gouvernement qui choisit, donc, je me rappelle, chiffre là, 10 ministres sur 14, c'est avec secteur, eh bien, c'est 4 mois, c'est 4 mois de mise en place. Oui. Donc, façon qu'on travaille. C'est comme ça, en plus, ouais. C'est pas que, nous dramatisons situation, relation entre exécutif là avec le gouvernement, non, mais, bah, y a des vengeurs, nous parler avec des proches premiers ministres, nous parler avec des membres CPTA qui expliquaient nous, conflits qui gagnent entre deux groupes. C'est depuis juillet, oui, avec le voyage premier ministre dans Washington, et où nous avons un gros problème entre les primatures avec CPT. Et ça va accentuer avec 79e Assemblée générale des Nations Unies, côté que, pouvoir, CPT a estimé que, y'a humilié, y'a boycotté, et nous dit, ouais, ça qui passait avec, Leslie Voltaire, et dans la réunion, qui t'a fait avec le président brésilien et premier ministre, y'a empêché, y'a interdit l'accès pour d'entrer dans un contenant, malgré, il va t'inviter, et d'y annoncer que t'es pas le couper. Depuis là, ça, nous voyons que relation, y'a très tendue entre, Prémature et CPT. Ça nous est pas salié, M. Maniga. Bon, ça est pas menti. Ou on va du bagage ici. Bon, même pas ces questions correctes et bien explication. C'est depuis après 79e Assemblée et les Nations Unies hein, et qui permettent que ça va passer là, je veux dire, qui fait des clics là. Peut-être qu'il doit exister déjà. Mais c'est ça qui vient permettre que APCA lui pète en bas de tout le monde. Mais nous devons rappeler, depuis là, Gary Coney, t'as une rencontre, Washington, l'elle te retourne, il te ramené à l'autre pour te dire, faut pas oublier, mais qui fonctionne, mais qui responsabilité, qu'elle gagne, et comme chef du gouvernement. Situation était déjà annoncée. Et pour l'Assemblée générale des Nations Unies, hein, le film que cacophonie, entre président, ministre, qui est-ce qui doit le représenter, mais bagarre la fin de gâtinette, bagarre la fin de l'autre direction, vient prendre l'autre emploi de la situation. Exactement. On est pas salié, M. Maniga. Moi, pas répondre à une question, ça, mais c'est dommage, José, hein, que le focus n'a pas été sur sécurité, hein, parce que je me garantis que tout le temps, premier ministre avec gouvernement, c'est sous chantier, ça, chantier sécurité, ça n'est pas pour nous faire pour conférence pilotage de la marché, pour élection faite, c'est ça qui intéresse la population, en tout.
si je ça en même temps on pas capable avancer sur vrai chantier on va évoquer là yo lorsque même communauté internationale reconnaît ça nous mettons de côté intérêt collectif là et nous prioriser intérêt personnel pas capable avancer lorsque entre deux pouvoirs il y a une instabilité entre deux pouvoirs professeur Maniga on comprend ça très bien. Mais justement, ces questions ça que m'a répondu. Moi, je trouve c'est dommage que ces questions ça que m'oblige à répondre matin, hein? Mais en particulier parce que, un, m'a dit, bon côté dramatisé. Deux, tout ça qui est évident, et on ne parle pas très clair, on se dit peut-être pas le tomber, donc ça veut dire, ou maniement en particulier, ou quoi que pour le ministre, bah, réponse ça clairement déjà. Et on nous fait deux points fondamentaux. Premier point qui est fondamental, là, je voudrais rappeler déjà. Je dis que le gouvernement, s'il n'a fait bilan, 4 mois, le ministre a exécuté 2 mois d'exercice financier sur 4 mois. Donc, l'autre premier aspect, ça, quel que soit le cas de figure, on garde qui rapport et qui bilan capable de faire, je dis, en condition ça, pour dire qu'on ministre, l'hyperformant ou l'hyperperformant en 2 mois. D'exercice, d'action d'exercice financier sur les 2 mois. Ceci dit, ce n'est pas moi-même comme chef cabinet qui a pris la décision. La décision a appartenu chacun en ce qui les concerne au Conseil des ministres. On va parler d'eux. En particulier, CPTR, Conseil présidentiel, avec Premier ministre, c'est une prérogative pour signer arrêté ou remplacer ministre. Ce n'est pas moi-même qui a fait opinion par sur ça. Mais sur les faits, les ministres ont exécuté 2 mois d'exercice et c'est périmètre action de ça. Personnellement, je ne recevoir notre premier ministre aucun rapport qui évaluait de manière claire, avec nombre pour évaluer, y compris à chaque mécanisme que OCAG la prévoit, qui c'est eux-mêmes qui l'a capable de superviser action exécutive et faire des recommandations. Et nous n'avons aucune documentation, rapport sous exécution, feuille de route au ministre. Et même l'on tape dans le contexte qui est en Parlement, côté Premier ministre, de façon déclaration de politique générale, côté Parlement, après 6 mois, capable, invitons au ministre Vintendel, s'il pas satisfait, convoquer le ministre, s'il pas satisfait, interpeller avec un motif d'interpellation qui est basé sur un texte, sous qui vient au ministre, en dehors de l'exécution de feuille de route, nous ne pas parler de ça du tout. Nous, dans le contexte, matière politique. Et dans matière politique, le Premier ministre, ça a gagné 1 semaine, que lui écrit CPTA, lisez-le très clairement, ma pour prendre ça qui était dit dans le texte là. Si d'aventure, je veux dire, CPTA font l'autre estimation, ils changent l'idée sur le fait que le ministère qui doublait, qui fusionnait, c'est pas une bonne idée. Disposé pour discuter de ça. Donc, on pense ça clair dans l'interprétation du gouvernement, ça clair dans l'interprétation pour le ministre, pour manier son bagage normal. Ce bagage naturel pour capable de mettre un gouvernement à flot, c'est nos systèmes d'équilibre, c'est entropie, qui permet comme mécanisme pour permettre au gouvernement de faire toute négociation possible pour que nous avancions sur le chantier qui est plus important. Et que nous nous avons dit ça très clairement. Sauf que ce n'est pas ça, c'est pété à rappeler, non, comme remaniement. C'est moi-même qui peux interpréter, je ne parle ni titre ni qualité. Je pense que nous nous avons dit information sur pas connaît. CPTA a besoin de changer et ministère qui double, par exemple, après le ministère intérieur qui est premier ministre en tête, il a besoin de mettre un ministre pour contenir un ministère intérieur collectivité territoriale, planification qui est ministre économique, il a besoin de mettre un ministre pour contenir la planification, et affaires étrangères qui a géré tout MAVE, il a besoin de changer et affaires étrangères et mettre un ministre dans MAVE, il a besoin de tout mettre un ministre dans justice et sécurité publique. Il besoin mettre tout qui va doubler, il besoin mettre tout, il besoin changer tout ministre à défense là. C'est ça même CPTA et dit nous. C'est pas simplement changer ministère qui doubler, mais c'est faire un remaniement sur au moins 7 ministères. Est-ce que pour le ministre d'accord avec projection de remaniement ça? On pense que pour le ministre dans la réunion hebdomadaire que le gagne avec CPO, bon finalement faut dire là m'a décrit très bien donc sous 18 ministères gè la, donc ça veut dire que 18 ministres, c'est pas pour le ministre qui a gagné une possibilité pour que les choisis un ministre, donc tous 18 ministres, c'est ça va prendre au dîme là, c'est pour aller. Mm-hmm.
Et la bataille là et bataille ministère ça eux qui bataille là et la bataille là et là désir bataille ministère ça est l'allié et ben c'est ça qui fait fondre des ministres maniga dans l'intervention là parce que là et il faut comprendre bien et ouais Robinson et Jeffra bien que me comprendre ministre maniga comme chef cabinet KPC fait jouer dedans c'est normal mais limite monsieur c'est pas en question de remaniement mais KPT a clair dit mais ça a besoin mais ça va le faire qu'on y a avec ça au préfet ça a besoin hein, comment on comprend ça et bah pour sa raison avec Claude Joseph a tiré pied l'élément des ministre défense lien pour pas participer dans aucune réunion avec KPT et puis qui est trois nèg ça qui inculpé là dedans parce que pas oublier ministre défense ça c'est Claude c'est Edé Kibaili et que de l'autre ministre Andy Justice et ministre même et Gary Kounibay leur dit intérieur c'est Gary Kounibay à la fois premier ministre et ministre intérieur leur dit affaires étrangères bon par contre c'est Gary Kounibay mais par contre c'est Edé Beret Kibaili mais tout le monde voit que leur dit affaires étrangères il pas pour aider pas pour aider puis semblé avec Gary Kounibay exactement leur dit planification bon là encore par contre c'est Gary Kounibay et c'est là mon regarder réalité mais que trois finance puis semblé avec Gary Kounibay exact c'est dire que 3 à 4 ministères ça c'est purement Gary Kounibay yo et on dit justice affaires étrangères bon finance et à la fois planification et Gary Kounibay ça c'est base et à la fois intérieur qui Gary Kounibay tout ministre on me dit c'est quatre ministres c'est comme si ministre Gary Kounibay mais qu'on y a et avec et défense qui gagne tout ça qui gagne là dans et bah Jean-Marc Antoine Bernier Jean Relé monsieur hein qui s'est aidé et ben si toutefois yo voyez monsieur aller et ben Claude Joseph qu'on y a là pas gagner dans mel. Ah, et c'est Claude qui va à la fois ministre là et c'est Claude qui va à la fois directeur général ministère de défense. On comprend ça bien? Elle dit Claude à la fois ba ni ministre nan, ni directeur général ministère de défense là. Parce que moi quoi directeur ministère de défense c'est mettre si ou Jean-René Sistanis, il c'est même aider. Là faut comprendre bagaille là. Elle dit et comprendre là tout et Capeta qui les même besoin ministère ça yo, sur certain et il y a des ministres dans poche déjà qui pral imagine yo pral gagne un pour ministère ici vivant à l'étranger yo pral gagne un monde pour ministère des affaires étrangères yo pral gagne un monde pour ministère économie yo pral gagne un monde pour ministère et planification yo pral gagne un monde pour ministère et défense yo pral gagne un monde pour ministère justice yo pral gagne un monde pour ministère intérieur qui donc Capeta lui même pral gagne 8 ministères et monsieur Sidi yo était déjà ensemble secteur ça yo gagne 10 ministres dans gouvernement 18 ministres, c'est ça va prendre au dîme là, c'est pour aller totalement conseil présidentiel. On pas popiner sur ça, mais juste noter ça au dire. Donc 18 ministres. C'est ça au dîme tout. C'est pas popiner sur lui. Mais m'a fait exercice mathématique sur le dîme, non, parce que je vous dis 10 sous 14 déjà dans la colonne CPA, c'est vous qui choisissez de proposer. En même temps, on dit tout, toute direction générale, 10 ministères, c'est conseil présidentiel là qui propose. Donc, pour le ministre, tu es favorable à l'idée ça. Favorable que 10 ministres sur 14, c'est conseil présidentiel là. C'est 4 ça qui n'en périmètre, ça que tu co-choisi avec yo, c'est pour yo. Plus l'autre ministère qui double yo. On constate que je n'en sors d'imminent, puisque je bonne information. 18 oui. Sous 18, c'est pas le camp CPA. Moi, je pense que je dis. Oui, mais si c'est ça, si c'est là, nous vivons, pour le ministre, a constaté ça, et c'est pour ça qu'on commence un dialogue avec différents secteurs, parce que pour l'instant là, sous base d'un accord politique, et à ce moment-là, si 18 yo, que les secteurs d'accord pour 18 ministères à la colonne conseil présidentiel là, pour l'instant a tiré les conclusions, les mêmes libres à venir dire, nous personnellement, ça le pensait de ça. Nous juste fait constat. Jodien, ça nous capable de dire, c'est que pour l'instant, yo vle dans l'étiquette de transigeance, 10 ou 14, pas qu'à intransigeance. Yo vle balon étiquette, la goumen, pour que li kembe tout pouvoir. 10 directeurs général qui nan ministère sa yo, c'est secteur choisi yo, ça fait déjà. Yo vle balon étiquette de transigeance, parce que le ministère intérieur pas marché. Qui j'en vle ministère intérieur marché, pi bien, s'il pas kab li même ge possibilité, remplacer mairie côté mairie yo paye, changer magistrat qui déjà quitte pays yo, parce que tout ça yo, c'est co-signature à la fois conseil présidentiel là, avec le premier ministre, en plus, on a dit gouvernement bloqué, même ministre, même magistrat, il n'y a pas de travail, il y a un côté magistrat, il n'y a pas de travail, il y a un côté, même pas là. Mais le premier ministre n'a pas qu'à changer le cartel sans signature CPA. Le premier ministre a gagné un mois, il a fait une proposition de méthodologie sur qui j'en aurais pu changer. Mérite changer, renforcer ça, mérite changer. N'attendre que
suivi qui fait pour ça avec urgence. Même bagaille pour direction générale, pour une ça écrit deux ou trois courriers à conseiller, dit en plus de toute direction générale qui déjà changé dans le ministère, on a le plus vite sous direction générale ministère autonome. Pour une ça même fait proposition, c'est temps d'attendre pour que nous changions rapidement direction générale, parce que lenteur qu'on a constaté dans l'administration, problème qu'on a dans plusieurs directions générales, nous, qui en grève, qui en difficulté, eh bien, c'est pas nous bloquer en particulier. Est-ce que ça, tu vas dire, là, professeur Maniga, et que manque d'efficacité qui gagne dans l'administration publique, là, c'est PTA qui empêche le gouvernement d'agir, je le garde d'agir? Ça m'a dit clairement, manque d'efficacité et lourdeur, là, et difficulté pour atterrir, gagner pour être tout, avec le fait que le ministre intérieur, pas capable faire modification dans la collectivité, parce que côté un premier ministre, à travers le ministère intérieur, côté population, c'est à travers les élus locaux ou bien autorités locales. Son commune pas un magistrat. Son commune pas un quantité de membres pour le gain. Son commune pas un magistrat qui est capable de signer sur la commune. Il y en a battu avec l'autre, il va venir signer. Ou mettre un corps pour eux, même garder qu'il. Eh bien, c'est pour ça, ou qu'on peut paralyser le ministère intérieur, parce qu'on peut changer, on peut changer la collectivité. Il y a une proposition faite déjà. Oui, il me dit ça. Si gagne certaines directions générales, côté gagne grève, côté gagne difficulté, côté moun a plein, côté pas gagne service, nous voulons moderniser, renforcer, et difficulté, lenteur pour que nous mettions en place direction générale, ça y est, justement, gagne pour en partie. Ça m'a dit, hein, m'a pas jeté blâme sur personne, l'autre monde, vrai sujet qui intéresse les populations, c'est sécurité, c'est bas résultat. Oui, pour le ministre, t'as allé plus vite. Si le ministère intérieur a plus d'outils dans le même, qui c'est collectivité territoriale, si il y a une direction générale qui a déjà gagné l'autre leadership, nous avons le pivot. Ça va retirer, invitez le ministre, il y a pas de problèmes, difficultés par eux, invitez le ministre des Affaires sociales, la parole sur le chantier social là, invitez le ministre de l'Éducation, là, tout ça qu'on fait non, rentrer l'école là, aller avec le gouvernement, ou avoir l'autre impression de qui ça qu'on fait et peut-être qui difficulté réelle qu'on gagne. C'est pas ça que le gouvernement fait. C'est pas de ça. On va aborder un autre point et nous regarder les relations avec la République dominicaine. Et je me songe qu'il y a une résolution que tu n'as pas le point pour que le gouvernement d'une seule voix comprise de position. Je me pose une question et rhétorique. Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Comment? Est-ce que le Premier ministre est en rébellion à CPTA? Ça, c'est une belle question. Bam quitter Nisme répondi parce que ça bien que moi Nisme m'getan estimé que ça répond sans carré parce que c'est normal mais bon si mes divisions là répondre très professionnel. Yeah bon oui mais tout monde cap garder cap sur après une rébellion là une bataille là comprendre et pas parce que une bataille dans élection pas gagner équipe chef passé. Comment c'est black, c'est est-ce que Premier ministre il y a une rébellion à CPTA? Ça fait troisième fois m'a dit ça. On ne peut pas dramatiser ce sujet ça parce que c'est pas le cas. Pour le ministre, il n'est pas interdit d'accès à la villa d'accueil où siège le conseil présidentiel de transition. Il fait réunion hebdomadaire chaque vendredi dernier était là. Une semaine comme c'est congé malgré congé, presque sept incroyable moyen plus je t'attendais encore président Voltaire en mission à l'étranger, le tournait pour le ministre après rencontrer pas qu'à une rébellion le que Premier ministre, pas bon, ma pauvre un mot fort, pas bon le un conseiller présidentiel. Ma même si c'est invité, non, convoqué Premier ministre, il n'est pas automatiquement présent. À la ville d'accueil, que c'est la CAIO, que c'est, et dans n'importe quel autre bureau, Premier ministre est toujours disponible, et semaine ça, prend information, il rencontre trois cas conseillers présidentiels. Que ce soit, non, mais si c'est pas dans la ville d'accueil, c'est côté où invité, participer. Okay. Et on regarde qu'on y a là point qui est pour avec la République dominicaine. Et c'était un point entre guillemets qui était bas pour. Et bien, il y a mon café qu'on a été dire, eh bien, et PM n'a été allé là, il y a le bloc festival, il y a pas ici, voilà. Ouais, donc, vous avez un peu de désir. Alimentation qui est pratique. Ben, il y a un peu de désir. Tant que j'en laisse-moi dire, vous avez dramatisé Bagala ou Bali sens, vous estimez qui a fait affaire. Mais qu'on y a, est-ce que moi-même, moi j'ai capacité pour me dire ça qui a dit la vérité, l'un qu'on est pour le comportement qui est là en même temps et CPA ou bien CPTA avec conseil présidentiel transition pas rien qui vous dit qui peut-être capable d'être impossible. Avec gouvernement, c'est ça, nous comprenons, c'est ce qu'on a duré, puisque ministre affaires étrangères là,
y a des sorties qu'il t'a fait à l'étranger, qu'il y a des déclarations qu'il t'a fait avec des bombes CPT à nous parler, au dit pas au courant de une déclaration ça yo et que premier ministre et que ministre affaires étrangères a fait. Et si on ne va pas critiquer madame Dominique Comcondajo, il mettait le service total de premier ministre alors que membre CPT a dit diplomatie c'est affaire pas yo, donc ministre t'a supposé affaire pas yo, peut-être que déjà dans choix et mon y a mettait dans affaires étrangères là peut-être gros problème dans niveau ça si c'est pas CPT a qui t'a fait choix. Et sous cause République dominicaine, justement, on connaît, t'es une résolution, le gouvernement t'es préparé, mettez-vous d'accord, votez, pour que t'as le soumettre-li, bail à conseil présidentiel, là, en façon pour République d'Haïti, t'es gagné un seul discours, par rapport à ça, et déportation massive, République dominicaine a fait. Et il y a des éléments de langage, il y a des points forts qui t'es dans, résolution ça, il y a des condamnations claires, nous t'es fait. Par exemple, t'es qualifié de raciste, de discriminatoire, de xénophobe, et ça, République dominicaine a fait. Bon, on ne parler de résolution ça encore. Le bloquer dans CPTA ou bien c'est lui-même qui va te soumettre à CPTA? Alors, justement, quittez-moi son point. Et je ne pas porter parole ministre des Affaires étrangères là. Je pense que le cabinet très outillé pour le capable de répondre point ça. Lui-même, tout lui répond point. En pile point, mais comme chef cabinet pour le ministre, je suis capable de dire non pas que ministre Dominique Dupuis n'a jamais évité aucune invitation formelle que vous avez fait. Moi-même, je suis au courant que même vous dimanche, sous invitation, la veille de n'importe qui président, le déplacer la lacaille. Ça, c'est pour la vérité, pour l'histoire. Pour être capable de faire dossier avancer. Il n'a pas dit, me dit ça. Moi, je prends responsabilité de dire ça. Même dimanche, ministre Dominique Dupuis, disponible pour la caille CP, pour la justement construire éléments de langage. Ceci donc, dit, contrairement à avec ça, Mme CPA dit moins, et que sont-il fait, ils n'ont pas au courant de voyage, ils n'ont pas au courant de déclaration d'affaires, ce n'est pas vrai. Moi, bah, où on fait. Oui, mais on a d'accord. Moi, bah, où on fait, on est capable de confirmer ça auprès de la ministre. Moi-même, okay. Moi, capable de dire, parce que moi, je suis non seulement ministre, mais ministère là, en ma qualité de chef de cabinet, et moi, connais que j'ai un pile, j'ai fort qu'à faire, pour adresser crise avec République dominicaine. Là. Ceci dit, j'en tiens, conseil présidentiel là, de par d'accord, compétence que la loi Bali, constitution Bali, c'est clair que il y a leadership sous orientation politique sous République dominicaine. Là. Et à ma connaissance, moi pas quoi que le ministre des Affaires étrangères a violé ou en contradiction avec aucun document écrit, avec aucune orientation formelle que conseil la tabali, parce que moi-même, je n'ai jamais reçu une copie de ni orientation formelle, ni document formel de politique vis-à-vis de la République dominicaine, que conseil présidentiel la t'avoué par gouvernement, t'avoué par ministre, et que ministre en contradiction avec. Et c'est vrai, conseil gouvernement, dans sa qualité, avec toute compétence que lui gagne comme conseil gouvernement, il part même voulait que ce ministre des Affaires étrangères qui était porté dossier ça pour col. Premier ministre a souhaité que résolution que n'a pas prend pour nous proposer conseil présidentiel là, justement pour que lui-même capable de nourrir réflexion par comme c'est lui-même qui supposait dire publiquement et annoncer publiquement orientation formelle sur dossier ça pour respecter justement que toute responsabilité que gagne ça la loi ba au point nous fait un argumentaire. Nous discutons de lui en conseil de gouvernement. Il est même, d'ailleurs, nous t'ai rendu public en partie, qui allait joindre formellement le conseil présidentiel là. Même certain, au prochain conseil des ministres, Haïti, l'État haïtien, conseil présidentiel là, qui justement a une responsabilité, qui a un leadership dans sa gain courant avec. Et qu'on a désir pour nous finir, on regarde pour nous comment on va conclure même beaucoup de ports, ben avancer avec des petites tests, on est capable de mettre bout. Moi, je pense que Nessie Maniga, malgré toute mauvaise et qualité que M. Kap gagne en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale, avant ça, M. Fait là, il est très méthodique. Et ouais, monsieur, son est capable de mettre des points pour gagner réconciliation entre deux têtes exécutives là, qui cap rendre gagnant. Et aller mieux dans la gouvernance que nous avons là. Et si vous attendez, vous avez qu'elle montre ensemble avancer qui a fait entre eux, c'est ensemble. Parce que vous dites que le premier ministre,
quelques ministres affaires étrangères, il n'y a pas de problème pour aller rencontrer ces pays. Qui est-ce qui a bâillé menti? Qui est-ce qui est sincère dans ce qu'il a dit? C'est la question qui était. Et nous-mêmes, nous croyons que Nespi Manigadil, population pas satisfaite, pour 4 mois, parce que il y a pratiquement après un seul bagaille, qui se résout le problème de sécurité, c'est grandi qu'elle a grandi. Dernier soufflet que la police prend là, c'est cabaret qu'elle prend. Gouvernement, c'est pas seulement la police, c'est tout le gouvernement qui prend soufflet là. La police, il vient dans l'espace, il fait vidéo, il fait photo, et puis, bandit ou aller, avec uniforme sur yo, zam nan men yo, y a le crasé espace là. Yo voyons un message pour dire que pays a pas dirigé, pays a pas gouverné, pays a pas de force là dedans. Et vin mettre la police dans situation très difficile, même pour publier information sur compte officiel par rapport avec un fly qui a été fait semaine passée à la situation. Et puis, l'on vient sous pouvoir, sorte comprendre, sorte penser, et sorte imaginer, parce que moi qui a dit, c'est dans l'imagination que peut-être connu, puisque le patron pays, il était essayé de regarder la réalité pays d'Haïti. Mais quand l'elle vient dans la réalité, qui c'est comme premier ministre qui l'a, il dit, ça me dépense, ça me dérête croyant, ça me d'abdi, et pas s'allier, non? Vous comprenez? Ça me dépense, ça me d'abdi, ça me dérête et pas s'allier, non? Et ça m'a dit, il va le prouver que Kony, Gary Kony comme PM, chef CSPN, ministre intérieur collectivité territoriale, il va le prouver que Kony, il va le comprendre, ça gagne là. Parce que, les que m'tendez, chef cabinet Gary Kony m'a parlé de Nespi Maniga. Nespi Maniga sur antenne radio Magique 9. Les faits qu'on est que PM Gary Kony l'était minimisé en plein insécurité. Il dit Li pas de comprendre ni si les dimension ça. Et ça fait les koni t'a dit avec bandi armé yo déposer zam reconnaître autorité de l'état. C'était un bagage comme si li dit et puis c'était fini parce que il était pensé vraiment bandi va déposer zam, il va reconnaître autorité de l'état ou dis-moi est-ce que l'état pral utiliser de stratégie pour le capable baronner soit fait n'est que déposer des armes de façon par voie et dialogue, discussion, s'allier. Et puis, ça mérite juger, ça mérite arrêter. Et ça qui va décider d'obtempérer d'ouvre force de l'audio, ça va arriver. Koni peut-être, bah, on est qui ça, formule et plein l'antéye. Mais c'est ça, me pense que l'ité qui est dans la tête. Et voilà que je dis, réalité, l'éprouvé contraire, il mettait Gary Kony comme chef CSPN, comme premier ministre, comme ministre intérieur, le premier des policiers, il mettait dans une situation, je ne vais pas dire impossible, mais difficile, compliqué. Parce que Pabli est là, c'est Gary Kony qui a exécuté et mette en application. Feuille de août à 3 avril, qui signe en différents partis politiques, différents secteurs de pays, et qui t'a le chita pas de négocier, discuter avec CARICOM. Avec CARICOM. Pour yoté banou conseil présidentiel transition ça. Bien que en pile moun te relèl, conseil présidentiel 9 têtes
Alors, tu es les 7 têtes de queue, parce que c'est 7 qui ont le droit de vote, et 2 l'autre pas le droit de vote. OK? Et qu'on ça a été well, et qu'on ça a été discuté. Mais pas oublier CARICOM a fait travailler les États-Unis. CARICOM a fait travailler les États-Unis. L'a fait travailler l'Occident. L'a fait travailler la communauté occidentale. Parce que c'est depuis une date qui était du 11 au 13 juillet 2023, pardon. Les que te gagne PM Garikouni, te gagne de acteur politique société civile haïtienne, non? Yote allé Jamaïque, soit j'ai ça? Yote allé chita parler avec autorité dans CARICOM dans pays Jamaïque pour garder comment que Ariel Henry te capable avancer et river soit organiser élection pour bien dire et permettre que pays a reprend droit grand dette majeure. Mais pas oublier, m'a rappelé, m'a songé. Lè que Ariel t'est arrivé avec toute équipe qui était en dit différents leaders et ça yo qui était allé l'autre bois. M'a songé selon ça la presse t'est rapporté Ariel t'est clairement dit que li pas allé Jamaïque, li pas vinn Jamaïque. Li pas vinn discuter avec acteur ça yo. Pour que ça ne l'ait un autre accord. Pas venir prendre dicté, pas venir prendre un. Non, pas venir notre accord. Parce que Ariel, tu sais, c'est confortable avec l'accord 21 décembre. Parce que là, tu es chita avec le gouvernement transition là, puisque tu es fait des demandes auprès des Nations Unies, pour avoir une force robuste qui pourrait aider la police. Non, ça veut dire Ariel, tu es déjà rangé, causel, que force pral vini, matériel pral vini, ceci pral vini, cela pral vini, que pral entame question de sécurité, et pral givé, établi la paix, et puis prend de disposition pour organiser l'élection dans le pays. Et ça, tu es plein, Ariel. Mais Ariel, pas de connaître si tu as l'autre plan qui t'a manigancé, soit beaucoup côté des leaders politiques de l'opposition, soit bon côté nek armé yo. OK? Soit bon côté des leaders politiques, soit bon côté leader et soit bon côté gang armé yo. Et je dis en ou capable d'accord ça. Ou capable admettre ça. Mais c'est moi dit armé ou matériel de yo. Peut-être yo ka gen de acteurs politiques qui étaient dans opposition qui et puis de moun qui dans classe économique là qui utilisaient yo. Mais action visible, action concrète, action palpable que tout le monde capable ouais. C'est bandi armé yo qui jete Ariel. Et yo qui fait Ariel pas de ka entrer dans le pays. Avion pas de ka voler. Bateau pas de ka entrer. La machine en pas de ka circuler. C'est nek armé yo. Bien que je dis assez, c'est honte pour n'a parler de cause de nek armé qui crase un pays, qui dirige un pays. Mais c'est en vérité. Mais je dis à la nouvelle garder. Avec Rivé Capeté, hein? Avec Rivé Capeté qui a négocié avec le gouvernement Koni, non? Ok. Avec Rivé Capeté, hein? Que d'essayer de parti politique. Parce que pas oublier, ça nous est là. Capeté, c'est. C'est résultat classe politique haïtienne, non? C'est résultat société civile haïtienne, non? Alors, KPT et gouvernement connu, non? C'est résultat diaspora haïtienne, tout. Et sans pas oublier,
lycée résultat communauté internationale qui en les net cap téléguidé cap orienté cap dirigé ensemble de classe ensemble de monde qui là yo OK. Cap diriger, cap orienter ensemble de monde qui là yo. Ouais. Et je dis, hein, ça que je veux comprendre, ça que je veux garder, c'est exactement analyser, poser question. Analyser, poser question et comprendre ça qui est là. Et je dis, allez m'attendre et m'abgarder comment que bataille qui est là autant de capéter autant de gouvernement qu'on y. Yo tous les départs, yo pas légitime. Et ce problème ça, je dis, qui dérange un peu le monde. C'est deux têtes exécutives KPT qui joue la présidence comme institution. Gaï connu comme premier ministre avec reste gouvernement là. Il y a pas allé dans aucune élection et pas peuple qui mettait ou là. Nèg yo là son base accord et qui publié un décret qui mettait nèg yo là. Est-ce que vous comprenez? Nèg yo la son bas accord 3 avril et rapousse avec une question de décret et qui mette nèg yo la. Qui mette yo la. C'est deux trois feuilles papier mette yo la. Si m'dil kon sa. Yo pa ale nan élection. Et puisque yo pa ale nan élection et yo gen un temps très limité, yo se un période yo se de autorité transitoire et yo konnen premier objectif un pouvoir de transition. Alors, une plus gros priorité, c'est me dire comme ça. Un pouvoir de transition, c'est organiser élection. OK, pour que lui-même, il passe là par des autorités qui élu, qui allait dans élection et que peuple lui-même il choisit. Et ça lié. Et ça lié. D'ailleurs, il y a un peu clair que Jocelyn Privert, qui était venu remplacer après Matéli, qui était en période de 1 an, combien de mois devant comme Namel, pour que l'été organise l'élection. Nous, et qu'il était prend toute disposition, il était organisé l'élection. Bien que, Fanny Bagalay, contexte pas même, non? Contexte pas même, non? Contexte pas même. Parce que dans les privés 2016, m'kwa si m'ba trompe, 2015-2016, t'es gagné sécurité, certes, mais le pas nan niveau ça. T'es gagné de groupe armé, nous d'accord, mais le pas nan niveau ça. Le pas nan niveau ça. Mais je dis à Sana vivre là. C'est une situation inhumaine. Elle dit, et pas condition moun à vivre comme si Jean-Pierre est là. Non. Jean-Pierre est là et pas condition moun à vivre. Et tout le monde d'accord ça. Oui? Tout le monde d'accord ça.
OK. Mais Kounia, est-ce que tout problème qui existait, est-ce que par une solution capable de joindre? Même arithmétique là, qui vient de exercice physique qui tellement dit la donne, bien, qui tellement RVP, Chamjonge, longtemps. Ça m'a dit à mon qui était dans l'époque fin 80, commençant 90, qui était l'école. Yo connais un grand bout de physique qui est le RV Pécheur. Regardez, gade ces deux exercices en dedans livre ça en pas bon menti. Faut lever bonnet pour résoudre. Mais quand même, tu connais des formules qui te connent utiliser pour capable résoudre exercice ça yo. Qui donc pour montrer que c'est vrai comparaison n'est pas raison. Parce que m'baka pour une réalité livre avec une réalité mon a vivre. Mais quand même, est-ce que ça Haïti a vivre là, je dis, hein? Est-ce que pas de gain de ces pays qui t'a vivre de situations plus difficiles que ça? Yeah. Est-ce que pas de gain de pays qui t'a vivre de situations plus compliquées que ça et qui t'a gain de autorité qui vle pays s'avancer et qui te prend de disposition et qui retire pays yo? Non, réalité que l'y a. Est-ce que je dis, hein? Si que nous avons des autorités, si que nous avons des gens en le pays, ça. Je me dis, n'est pas comme si nous pour nous, non? Nous placer comme il y aurait les autorités, yo. Si yo avons des gens la caillou. Si yo ke mounite la kayo, on met kwem ke, mba di jodi ak demain, mba di nan 1 an, 2 an, 3 an, 4, 5 ans, mais au moins, yap commencé poser base là. Yeah. Yap commencé poser base là. Et le ke yo pose base là, ça permet que yo rive et quand même atteindre ça au visé. Est-ce que ça au visé pour 5, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, pour 30 ans? Mais quand même, parce que parler de Haïti, open for business d'ici 2030, mais il faut commencer. Mais non en 2024. Très bientôt, en 2025. Bon, là, la moté premier ministre, moi c'est en 2012 mai 2013, si je me trompe. L'ITL lance le slogan Haïti open for business nan, d'ici 2030. Haïti pral mettre sous voie ça. Mais faut te gon base qui t'est déjà planté. De là la mot t'ap dirige pa mateli. Arrivé jounen jodi a la. Est-ce que pays d'Haïti avance mais fait back? On regarde ça. Li clairement dit que pays a vinn pi mal. Pays a vinn 10 fois pi mal. Et je dis hein, en pile moun d'accord que régime BHTK et première version avec Matélian mettez avec l'autre qui vient en après lui jusqu'à côté ni là. Y a pas innocent dans le problème pays. Y a pas innocent qui sont jeunes ti moun alors adolescents jeunes 19 18 20 combien années qui kebe zam nan men yo. Dem pa konn si nou wè ça. Nan sa ka passe sur les noix là en plus dans ti vidéo nous on va essayer qui bande ti moun. Est-ce que nous va essayer qui bande ti moun? Yon équipe bande ti moun. Yeah. Yon équipe bande ti moun. Il aime dire yon équipe bande ti moun. Ça dit de adolescents même parce que ou après dans base 400 maozo dans presque toute base bandi en mais là ou après des de tiers adolescents. Adolescent, vous dites comme ça. Si moun 14, 15, 16 ans. Avec gros zam nan me yo, zam bon an chio, son fierté pour yo. Et yo déjà vle assuye la élève de gonek ki la yo, parce que konne, yon certain temps, nek sa ou gen do balan kon.
Et là, ça, c'est pour aller au même. Eh. Rivons-y à tintin. Goto, ça pape là encore. C'est pour aller au même. Si au même tout pas, l'État pas fait un jeu pour guetant encadrer yo, de désarmer yo, réinsérer yo, dans la société. Elle dit là, est-ce que problème n'a pas enduré là yo? Ok? Est-ce que problème n'a pas enduré là yo? Est-ce que pas plus que ça? Est-ce que le pas plus que ça? Mais pendant que les plus que ça, faut nous penser tout pour nous comment pour nous résoudre. Comment pour nous résoudre? Yeah. Et c'est là que c'est que chaque rien haïtien et chaque monde doit être capable de comprendre, doit être capable de garder comment les problèmes yo existaient, les problèmes yo là vraiment, mais qui jamais qui façon pour que nous engager nous là-dedans. Et je dis, hein, peuple haïtien, comprendre dans ça ni là, je que me toujours dit dans ça ni là, dans ça n'a vivre là, dans ça n'a connait là. C'est nous-mêmes en soi qui vous engager la donne. C'est nous-mêmes en soi qui vous comprendre que okay. C'est nous-mêmes en soi qui pour d'accord que nous prenons destin nous en main. Prend responsabilité nous en main. OK. Prend destin nous en main. Prend responsabilité nous en main. Et permettre que ensemble nous arrivions à résoudre problème ça. Parce que m'a toujours dit on ne pas almiser nous sur international. OK. On ne peut pas miser nous sous communauté internationale. Parce que je me dis, si vous voulez que Haïti change dans l'intérêt haïtien, vous avez fait déjà. Vous avez accompagné déjà, vous me dites comme ça. Yeah. Si vous voulez Haïti change dans l'intérêt haïtien, yo tap accompagné haïtien déjà la donne. Yeah. Yo tap accompagné haïtien déjà la donne. Génération ça que moi la donne non. Nous tap joindre un autre Haïti. Nous pas tap joindre un Haïti qui écrasé comme ça. Nous pas tap joindre un Haïti tant qu'on démembré comme ça. Non. Nous pas tap joindre un Haïti qui écrasé comme ça. Nous avons besoin d'un Haïti qui ont démembré comme ça. Du tout pas. C'est parce que. C'est parce que. Nous. Yo même en soi. Yo wè que. Ce équipe ban moun. Déjà moun nou et les dirigeants autorité la kanou yo. Yo pas besoin Haïti changer parce que. Yo pas gen intérêt dans Haïti ça. Ok? Yo pas gen intérêt dans Haïti ça. Et yo c'est des moun, c'est des traites, c'est des konzé, c'est des apatrides que yoye. Yo pas vinn pou changement Haïti. Yo pas vinn pou changement Haïti. OK.
Il y a pas vin pour changement Haïti. Non. Je dis à ça me le comprendre. OK. Il y a pas vin pour changement Haïti. Et je dis à me qui comprend ça. Il y a pas pour changement Haïti. Et malheureusement même moun ken ki la ki comme dirigeant yo. Il n'y a pas de changement Haïti à eux même tout. Et je dis ça fait mandat haïtien. Prends conscience de l'état pays ça y est. Moi, je dis haïtien, prends conscience de l'état Haïti pour nous comprendre. C'est nous-mêmes comme haïtiens pour être Haïti dans ça y est. Nous apprenons que le président dominicain Luis Abinader, monsieur qui décide là, fait, bon, jusqu'à présent, il fait qu'on est espace aérien entre la Cali, la Dominicanie, et puis Haïti a été fermé. C'est de même pas aucune intention pour lever mesi ça toutefois condition yo pas changé dans pays d'Haïti. Yeah. Cette histoire avion a volé pour aller c'est domaine n'a pas gagne comme ça. De Sabine elle dit pas gagne comme ça. Elle dit avion cap volé aller c'est domaine non, pas gagne comme ça. Cap sorti Haïti pour aller Saint-Domingue, à bien dire. Yeah. Avion cap sorti Haïti pour aller Saint-Domingue, Luis Abinader dit pas gen bagay comme ça. Pas gen bagay comme ça. Yeah, pas gen bagay comme ça. Et le fait que pas gen bagay comme ça, qui donc, elle dit, situation Haïti a rete, alors tout autant que situation Haïti a koné la, li rete comme ça. OK? Tout autant que situation Haïti a lui-même li rete comme ça, pas gagne qui fait, pas gagne question avion cap volé, mais ça lié hein, mais pas oublié. Les vendredi était vraiment à attaquer le 29 février. Dans les Ariel dans les il t'a bloqué Ariel Henry. OK. Dans le tableau qui a eu l'air, il y a oublié. C'est qu'il y a plusieurs hélicoptères qui t'a volé sur le site de Haïti pour aller domaine. Mais pas oublié, ça a été gros l'argent que t'as baillé. Et t'es gros, gros bout l'argent que t'as baillé, ça. Hein? Et t'es gros bout l'argent que t'as baillé. Haïti, laisse ça, pas de question. Pas de question, avion hélicoptère pas volé. Et je dis à la, si États-Unis voulaient faire ça l'affaire avec Haïti, comme si il y a des personnels, Haïti a besoin de déplacer, yeah, c'est clair, c'est fini. C'est al prendre, rentrer avec elle. 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 Elle prend notre cavel. Et qu'on la comprend très bien. Ça a passé dans le pays hein, pour nous. Alors que la situation Haïti qu'on est là, c'est demain. Je ne connais le clair. Je ne connais le très clair. En pile dans les âmes qui entrent à Haïti, ils transitent et passent par ces domaines. Ce n'est pas que clair en pile dans nous connaît. Yeah! En pile nan zam ki rentre Haïti yo, yo transite, yo passe par Saint-Domingue. En pile dominique nan commerce zam illégal avec Haïtien sous frontière, zam en pile, bon, même la mensonge qu'on a dit, en pile zam ki nan 400 mètres yo gen, yo passe par Saint-Domingue, par Gantier, par comment, qui partage frontière mal, passe aller avec Équateur. En pile zam kapote ki nan bas, monsieur bas gang rifi, kon sa va fèl. C'est les âmes qui passent par frontière. Les âmes qui passent par frontière. Et qu'on y a les âmes qui passent par frontière, ça yo, imaginez. Imaginez que les âmes qui passent par frontière, comme un bagage. Donc, je dis à mes qui comprennent ensemble avec moi,
que pays d'Haïti, pays nous, hein, la vive en situation côté que chaque Haïtien doit capable comprendre, doit capable voir qui gens, ok, ok, ok. OK. Qui Jean? Que si c'est pas nous même comme haïtiens, m'a toujours dit qui pour conscient. OK. Nous même comme haïtiens qui pour conscient, qui pour d'accord, qui pour admettre. OK. Nous même comme haïtiens qui pour conscient, qui pour admettre, qui pour d'accord. Pour nous prendre engagement pays ça, pour nous mettre pays ça sur progrès et développement. Pas aucun étranger, m'a dit et m'a prédit encore. Pas aucun étranger qui a vu le pays là qui a vu une pensée, qui a changé pour nous. Non. Pas comme ça. N'apprends que, et tu as gagné au moins 5 blindés de couleur vert olive qui est entré dans le pays, dans ce soir, lundi 28 là. Bon, pas y a trop de détails sur blindé ça yo. Pour qu'on est-ce que c'est de blindé qui vient pour force de l'audio. Et l'aime dit force de l'audio m'a parlé de policier nous yo. Si alors embryon là mais qu'on est là, mettez avec monsieur Kenyan yo. OK. Pour est-ce que c'est pour yon venir bien que gain information qu'a fait qu'on est état de blindé pour personnel ambassade américaine. Bon, là encore m'a posé question pour que ça blindé pour personnel ambassade américaine alors que on est clairement et ambassade d'al fermé. Ambassade d'al fermé bien des temps mon cher. Ambassade d'al fermé bien des temps parce que plus que un an c'est pas trop même. Yeah. Plus que un an là ambassade d'al fermé. Mm-hmm. Plus que un an là ambassade d'al fermé. Yeah. Plus que un an là ambassade d'al fermé. Le fait que l'ambassade l'a fermé plus que un an. Ouais. Le fait que l'ambassade l'a fermé plus que un an. Je dis, hein, qu'on y a Evin Jouen avec une déclaration que un ambassadeur américain accrédité en Haïti, Dennis Hankins, qui tout côté qui a fait activité officielle payant là, soit KPT, soit gouvernement, soit la police, il présente un paquet de bagailles. Et bien, le camp, il dit, son antenne aux médias en Haïti, pour dire oui, il a parlé avec un gang pour raison de sécurité personnelle, il peut-être assurément il a besoin de l'ambassade dans le bureau, et de leur personnel ambassade dans tout, les qui ont même t'as besoin de faire entrer et sortir dans l'ambassade américaine qui trouve le tabac. Et pas oublier, il a dit, ambassade américaine dans le tabac, ou zone ça, il y a plusieurs groupes qui sont qui capotent les bugs ça. Les gagnants, éviter l'homme innocent. Les gagnants, chien méchant. Qui c'est deux groupes armés qui piprel, mettez avec équipe 400 maro zone, qu'on n'est pas trop loin tout, zone cité Doudou, zone Zayo, qui tout crée ambassade là. Est-ce que vous comprenez? Qui fait jeudi, hein? Et le fait que problème Zayo, il existait, le fait que problème Zayo, il est réel, yo existe yo réel kounya yo n'a pas gabon dit tête non. OK, 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 je dis hein, nous capables de comprendre que nous prenons un véritable complot. Et dans le complot que nous prenons, nous d'accord que nous d'accord que problème nan, problème est en pile. Mm-hmm.
problème yon en pile. Et nan niveau yon en pile nan tout. Fon gade ki jan exactement pour nous aborder. Fon gade ki jan tout pour nous gérer. Ki jan pour nous traiter problème ça. Qui j'ai pour nous gérer? Qui j'ai pour nous aborder des problèmes ça? Qui j'ai pour nous gérer? Qui j'ai pour nous aborder des problèmes là? Dans dossier trois conseillers que nous citer dans scandale corruption BNC dossier 100 millions de gouttes là. Mais qui nous connaît? Trois conseillers, ça, qui c'est le Gérald Gilles, Emmanuel Vettiler, Smith Augustin, mettez avec ancien président de l'Abinisca Sobéen, Raoul Pascal Pierre-Louis, Loni Léandre, qui sont bons amis, Smith Augustin, c'est des autres cités dans le scandale 100 millions de gouttes BNC. OK? Et nous connaissons déjà enquêté ULC, c'est déjà attendu trois conseillers, ça, yo. Si je ne me trompe pas. Et ils ont présenté le rapport. Le 2 octobre, et DG ULCC, Hans-Jacques Luiditch Joseph, j'ai présenté le rapport pour dire que normalement, gagné là. Gen bon j'appreuve que trois messieurs sa yo, trois conseillers sa yo, yo impliqué dans scandale corruption. By BNC, 100 millions de gouttes là. Il te mandé avec autorité judiciaire yo pour mettre action publique en mouvement contre trois conseillers sa yo. OK? Et comprends bien. Il est en pleine question à poser. Est-ce que la justice haïtienne prend un mille de courage pour tant des trois conseillers Sayo? Et tant des trois conseillers Sayo qui décident de prendre compte yo? OK. Et qui juge qui prend instruit dossier ça? C'était une ensemble question que nous avons posé. Mais nous avons dit, doit être tribunal premier instance Port-au-Prince, qui c'est Maître Bernard Saint-Ville, lui remettre dossier ça by juge Benjamin Félix-May. OK? Benjamin Félix-May. Et c'est juste ça qui a instruit dossier qui est pour avec causer trois conseillers nos cités dans scandale corruption ça. OK? Et le fait que trois conseillers ça yo nos cités et vinga pile bay cap dit de yo en pile cause à parler. Eh bien, juge Félix May, qui a instruit le dossier, bien que le monde dit, bon, son juge qui bagasse expérience. Il y a un qui te souhaite, c'est un juge qui a expérience, reprend. Et il y a un qui dit tout. Je souhaite que le juge Félix May a ses moyens. OK. Je souhaite que le juge Félix May a ses moyens pour qu'il soit capable de mener l'audition. Ça, c'est pas un petit dossier petit. Et juge là, déjà invité, ancien président d'administration conseil BNC, hein, M. Raoul Pierre-Louis. Bien que nous connaissons Raoul Pierre-Louis pas en Haïti, avocat, M. Sonnet, c'est le baron, c'est la fin. Est-ce qu'il y a fait client là entre Haïti pour capable de l'entendre?
Est-ce que vous avez Interpol derrière mettre Raoul Pascal Pierre-Louis pour capable mener Haïti pour aller répondre question juge Benjamin Félix-Mé, question à poser. C'est un élément important. C'est un élément clé. OK. C'est un élément important, c'est un élément clé dans la question ça. Élément important, élément clé. Donc c'est pas seulement tant des trois conseils mais faut attendre monsieur tout selon tout le monde, il faut qu'on il doit attendre. Il doit attendre. Mais jusqu'à présent, monsieur va en Haïti. C'est pas en Haïti. C'est quoi bon? C'est pas en Haïti. Et Vinjuen, puisque monsieur va en Haïti. Monsieur pas en Haïti. Monsieur pas en Haïti. OK. Monsieur pas en Haïti. Et vient jeune là. Le trois conseillers yo, et un certain de Loni et Léandre, nexa en Haïti. Bon, par contre c'est Loni Léandre lui-même en Haïti ou partout, même qu'on est au dit c'est ton consul Santiago Haïti. Est-ce que monsieur en Haïti qu'il va arriver rentrer Haïti pour là répondre question autorité yo? OK. Et puis go bagarre là. Et trois conseillers ça eux même tout. On nous garder ça qui capable river avec yo. On jouette. Bon m'a dit jouette on va se parler. Ta conseiller ça yo bien que moi gagne avocat Maître Guy Bibles qui c'est avocat Emmanuel Vettiler. Il dit que client là qui c'est Emmanuel Vettiler pas droit aller pour une question juge là. Juge a pas gagne compétence pour ça parce que pour t'attendre deux monde qui a joué rôle fonction la présidence, il faut qu'il y ait la haute cour de justice. OK. Il faut qu'il y ait la haute cour de justice. Malheureusement. Malheureusement. Qu'on a dit, Maître Guy Bibles, il faut demander à ancien président Jovenel Moïse qui n'avait pas organisé les élections. Qui je dis à rien que pas gué parlement. Alors que l'aime dans des pays espérants, je dis à PSP, il faut qu'on ait que semblé avocat. Maître Guy Bibles, qui est avocat Emmanuel Vettiler, il t'a monnayé un juge parce que tu pensais que c'était juste ça qui t'a balayé dossier anormal pour te ka enterrer dossier ça. Là, bagay en pile. Bagay en pile. Et qu'on y a dit et tout, est-ce qu'on est capable d'offrir l'État genre de spectacle ça yo? Est-ce qu'on est capable d'offrir l'État genre de scène ça yo? Est-ce qu'on est capable d'offrir l'État genre de spectacle ça yo? Est-ce qu'on est capable d'offrir l'État genre de scène ça yo? M'ba quoi non? M'ba quoi l'État comparé pour genre de scène ça yo non? M'ba kwe l'État pari pour genre de spectacle ça non? Non. M'ba kwe ça. Mais kounya, est-ce que tout trois conseillers ça yo capable rete? Est-ce que yo capable rete tout? Hein? Est-ce que yo capable rete par rapport avec en pile secteur k'ap leve voix yo k'ap mande pour révoquer monsieur ça yo? En pile secteur qui a levé voix yo qui a demandé révoquer monsieur Sayo. Et là m'ka d'accord avec secteur Sayo. M'ka d'accord avec yo parce que imaginez sous ces autorités et je dis à non cité gain doute dans question corruption sous nous sous. Mais mes amis, si gain doute dans scandale corruption sous m'ba wè sou ki bas qu'on y a là deux moun pral collaborer avou mba wel yeah mba sou ki base deux moun
pral collaborer avec ou. Moi ça non. Mais ce qui base de moun pral collaborer avec ou. Ben ça. Et je dis à ces lambre qui nous comprennent. C'est l'âme qui nous aller pour nous garder la réalité en face nous. Ce qui base deux monde pour collaborer avec deux monde qui des soupçons de corruption sous dos. Yeah. Qui des soupçons de scandale de corruption sous dos. Je dis à Mbawé non moi-même. Et m'daré me mandé, m'daré quoi que je dis hein, si société hein, si peuple haïtien hein, comprendre vraiment ça gagne là comme situation. Est-ce que l'a accepté que j'ai de moun sa yo, j'ai de nek sa yo? Que on continue rete dans pays, que on continue rete dans ta capitale. N'a me poser question ça. Hein. N'a me pose, n'ta aimé vraiment que on poser question ça. Et je dis, hein, quel que soit le secteur, quel que soit l'acteur qui est lié, hein, nous ne pas capables d'accord tolérer de monde qui, je dis, est impliqué dans des bagailles. Donc, non. Non. Acceptable d'accord de monde qui est impliqué dans des bagailles. Style rété dans tête pays, ça. Qui est des dirigeants, des autorités. Et nous ne ça que vous-même avez dirigé. Nous ne ça exercer comme notoriété. Nous ce qui bande quoi que qui bande mesdames qui mettait ensemble qui pour finir avec pays ça et qui pour rendre pays ça vienne plus mal selon ça que nous même n'a regardé et n'a observé que en pile monde qui commençait à écrire sur réseau hein, et puis déclarer persona non grata Yonek Takou Dennis Hankins ambassadeur accrédité américain en Haïti hein. Après déclaration monsieur hein, que monsieur expliquer que oui yo en contact et permanence yo en relation avec gang armé yo négocié avec yo et ben en pile moun commencé à écrire à travers divers médias en ligne à travers divers plateformes réseaux en ligne et en pile organisation commencé à réagir en pile leader politique commencé à réagir et ben puis yo dit que Yonek Takou Dennis Hankins c'est persona non grata monsieur pas doué rété comme ambassadeur américain accrédité en Haïti qui Jean Akaye levé pour matin est-ce que Akaye est toujours sous pression. Est-ce que la police, est-ce que habitants qui vivent dans différentes localités en de la commune Akaye, est-ce que mobilisé, il y avait en haut, il y avait en bas pour empêcher que bandi sexuel god bandi canaran pas envahi yo et c'est de question qu'on va regarder et on va le poser avec collaborateur nous Claude Naider Antoine. Comment moun reste moun qui rete ka fait résistance dans quartier Solino yo levé pour matin lundi ça est-ce que bandi yo continue à faire l'appeler les botans dans diverses localités en dedans et Solino est-ce que la police l'armée en support avec Kenyan yo continue à mener des opérations est-ce que tout bagay campé et qui fierté m'a poser question ça est-ce que conseiller président yo est-ce que yo qui fierté jeudi hein pour yo dit que y a président pays. Est-ce que José a confierté la KPM Gaïkoni pour dire que la menée politique est gouvernement? Est-ce que je dis, hein, gen fierté, la KDG Gérard Amil pour dire que, eh bien, la mette et sécurité en de pays? Hein? Est-ce que je dis, hein, gen fierté, la KDG Guerrier ou état-major l'armée hein, pour dire que l'armée a consolidé un ensemble d'espaces l'état te perdu? Est-ce que je dis en tout, mon fierté, la ka Godfrey Otunge, qui se chef mission en Haïti, pour dire que y a mené opération? Parce que réalité a prouvé à clair que, eh bien, jusqu'à présent, que quel que soit tes KPT, quel que soit tes gouvernements, eh bien, yo youn pas réglé en sérieux, n'est pas goumé pour poste, n'est pas goumé pour pouvoir, et je dis à mes fierté, oui, et l'estival qui a dit que, l'irrivé dans le pays Colombie. Yo ou le tapis rouge à terre. En qui vient te gagner pour quelque soit dirigeant koye, pour arriver Colombie,
pour vous gagner fierté, pendant que vous connaissez que, eh bien, ensemble de Colombiens est impliqué, arrangé avec des séries de nègres en Haïti, vous tout un président en fonction, en dedans de Chambre Nakali, pays ça, même l'hôtel là, vous pas gagner fierté, non? Pas la fierté et qui ont pile parole cap dit là pendant que nèg yo al participé dans COP 16 en Colombie et veille si pas gagne négociation pour libérer Colombie ça qui impliqué dans la mort Jovenel lui veille oui parce que nèg ici tellement coquin madame et yo ka fait tout bagage pour capable rester sous pouvoir veille oui et désinardi élection États-Unis pour 5 novembre cap venir ça veut dire dans une semaine encore et élection États-Unis Kamala Harris. Et puis, Donald Trump, qui est-ce qui va venir président des États-Unis? Et ma deal, ma redeal, ma continue deal, pas en question de républicain, pas en question de démocrate, qui va aider retirer Haïti dans sa ligne là. Parce que, quel que soit Kamala Harris, quel que soit Donald Trump, c'est intérêt des États-Unis d'abord, et l'intéressé. Et les gens disent que, lui, Gérald Gilles, va l'encourir. Capeta pral nan kouri parce que n'apprend que juge Benjamin Félixmé monsieur invité lui Gérald Gilles pour le présenter dans cabinet et nous venir avec détachement des Ivenes. La situation toujours été très difficile pour si là cap vive dans Solino Mounio c'est calvaire qui a monté par rapport avec ensemble attaque répétée que gang criminel vivent ensemble a fait dans zone ça malgré barbecue a fait diversion à travers plateforme réseaux sociaux respectivement TikTok qui toujours a montré qu'elle pour la paix malheureusement si population ouais dans barbecue situation qui paraît plus difficile pour eux parce que attaque répétée ou pas suspendre fait dans zone ci là dans AKS c'est même cas de figure malgré la police a fait effort qui est capable mais population signaler que bandits et vivent ensemble toujours contrôler espace là et pas oublier diverses gros déclarations qui fait bon côté bandits non rivé que rivé à Kayer pour annoncer même petit bébé pas épané peuple haïtien rivé non niveau côté yo montrer que yo sous route a perdu l'espoir pour comprendre que sécurité qu'a retourné en dedans pays là les entendez Denis Hankins qui c'est ambassadeur permanent représentant les États-Unis d'Amérique en Haïti, qui dit que y a une relation, y a un contact de temps en temps avec Gagno, dans le pays, les personnes. Dans le département de la Tibonite, bagarre à jour, la paix est plus amère, la paix est plus difficile. Troisième section communale, si vous la Tibonite, Télonier, en pile, moun relégloin, c'était théâtre, gang, griffe, pendant le week-end. Moun courir quitter la caillou. Nèg yo rentré dans tout objet de valeur que moun yo te gagné, dans la caillou. Tête bête paysan yo. Plus passé, yon soixantaine bœuf paysan yo disparaît, aller dans base grand griffe, dans sa vient. Sans côté cochon, cabrit, et quantité moun que yon massacré, quantité moun qui pou kounya enregistré dans bitan moun qui pral dormi à la belle étoile. Cependant, la police annonce que y a mené opération dans niveau département la Tibonite. Jusqu'ici, personne par contre qui sa bilan opération yon. Est-ce que y a bien avancé ou bien sûr pas bien avancé? Mais dans la population qui est dans le département de la Tibonite, il y a fait qu'on est blaise. Question opération qui dit que la police a mené dans le niveau département, pas de opération qui a mené. Parce que opération si y a mené, tout le monde a remarqué, tout le monde a pris population, habitants qui sont pensionnés, il y a pris un dispositif nécessaire pour exiger autorité et il y a fait quoi? Si pas gain avancé qui fait de personnes ou cap saisi tande l'école Semak activité Semak trouvé dans une situation très difficile et même compliquée pour capable fonctionner parce que moun yo ki kouy ki te pensionné qui t'a déjà fait préparation pour ti moun yo t'al l'école dans pensionné et bien yo dit faut que ti moun yo à l'école la caillou et faut gain sécurité c'est à travers sécurité qui ça ka fait s'il pas fait comme ça bagala cap gâté en pile dans moun cap vivre dans département la Tibonite a garder bataille qui gagne en KPTA avec gouvernement, il a posé cette question. Est-ce que monsieur pas pratiquement à suivre Mathieu qui c'est les États-Unis d'Amérique qui a arrangé qui mettait en situation de chaos, en situation de terreur en dedans pays pour empêcher citoyens évacuer avec vraie activité parce que yo se mettre gang yo, il a supporté la police, il a supporté gang, personne pas connaît qui côté au campé vraiment Blaise Peterson. 10 jours avant déroulement voiture dans le pays des États-Unis d'Amérique. Megastars, artistes, Beyoncé, vendredi qui se passe à te arrangé dans un meeting politique que vice-président Kamala Harris qui t'a organisé dans la ville natale
et vedette là dans Houston, il y a trois moun qui pi bien renseigné sur question ça qui identifier nouvelle si là pour association presse dans États-Unis d'Amérique. Campagne présidentielle Kamala Harris là adopté chanter Freedom Liberté que Beyoncé t'a publié et dans l'année 2016 dans thème musical là li paraît chanteuse là par yon en plein vedette ak sa qui vinn tourner yon thème clair pour candidat présidentiel démocrate là Blaise Pierson c'est voix liberté qui a cherché pour les États-Unis. Harris qui pral voyager dans état Texas qui gen habitude voter pour républicain yo c'est 10 jours avant vote en Blaise Pierson li décider à regarder pour loin s'il cap changer l'opinion s'il cap tourner vote là en faveur dans pays d'Haïti question élection diverses organisations cap défendre droit moun ak organisation femme yo toujours kembe bâton pèlerin ou Blaise Pierson pour yo exiger autorité qui dans conseil présidentiel transition prend responsabilité yo pour adopter pour respecter votre organisation droit moun yo te bay envers M. Gédéon Jean. Yo continue à écrire, yo continue à dénoncer, yo fait quoi? C'est à Pierre Espérance à travers RNDDH qui empêche yo prend Gédéon Jean et yo dit yo pas perdre bataille, y a continuer la bataille qui a mené. Plus passé 10 000 Haïtiens obligés de quitter Kayo selon dernier rapport que l'ONU soumet par rapport avec attaque répétée qu'a fait en Akaye. Attaque qu'a fait dans Solino. Mounio, c'est presque chaque jour, il y a plevé courir et chiffio, il y a augmenté Blaise Pierson, son situation qui est extrêmement difficile. Cependant, ensemble pays qui dans Caraïbes là, ou bien qui à travers le monde, il n'y a pas suspendu, déporté ensemble Haïtiens pour vous retourner la Kayo. C'est qu'à pays Jamaïque. Dans la semaine qui s'est passée, jeudi qui était 24 octobre, ils ont déporté 17 Haïtiens. Selon ça, la presse Jamaïque rapportait, eh bien, ministère Sécurité nationale qui t'emmène ensemble, opération Garçon pas campé, contre plusieurs douzaines Haïtiens sans papier qui dans le pays Jamaïque. Jeudi qui s'est passé, à Blaise Pierson, immigration dans le pays Jamaïque, pimpé, tourné en dedans pays, 13 garçons, 4 femmes qui étaient rentrés dans le pays Jamaïque, illégal, selon ça, le dit. D'après autorité, d'après sa autorité fait connaître, citoyen haïtien sa yo, t'es sous territoire Jamaïque, depuis environ yon l'année, plusieurs là-dedans yo, t'es dans prison pendant un bon bout de temps, yo t'es, et yo pas épargné dans plusieurs zones, côté yo t'es éparpillé, tant qu'au, et Hanover, et Portland, Saint James, à Freeport, c'est ensemble espace sa yo, que haïtien sa yo t'es gagné tout partout, plein sous personne. Plusieurs affrontements dans Jamaïque, 24 octobre 2024, passé ya. Force mexicain yo ak soi-disant criminel yo té arrangé yo nan pays Mexique nan face à face qu'il a fait avec criminel yo et bien au moins 16 moun rive perdre la vie yo et nan zone sud pays a côté yo t'a fait face avec violence d'après ça la meya té di yon premier accrochage té fait nan ville et Tecpan nan et Galena tout près à côte pacifique là côté té gagné deux moun qui té mouri à quatre autres t'es sorti blessé. Après ça, force sécurité t'es à faire face carré à un groupe criminel qui t'es attaqué une base militaire dans zone là côté yotouyé pour pipiti 14 moun et exam d'après déclaration secrétariat défense nationale et Sedna fait qu'on est dans pays Mexique. Blaise Pierson pas oublier ça doit intéresser parce que nous gain des compatriotes nous dans tout dernier moment yo cap courir qui aller Mexique dans l'idée pour aller chercher la vie meilleure. Faut que nous connaissons ensemble information ça yo de la situation d'examen hier dernier. Eh, bon bah c'est que des ensemble de points ça nous fait débat sur yo et j'en dis amis yo ça et que je dis en poser des questions et qui ça et autorité qui là yo décide faire avec pays et côté fierté à yé désir les que n'a gardé pour nous ni gouvernement qu'on y a dirigé yon. Ni kapé te gen le pot 9 moun la dan nan. Nou e ou tout. Yo seulement e fait fierté. Nan voyage. Ou te de les Simbatois en Haïti, les Colombie. Ou te de Frine la Joseph pala li voyage. Et Simbatropé même kwe PM bala. Ça veut dire que nek yo profite résout problème voyage yo. Nek yo profite puisque gen le teke problème grand ou problème manje. Fan disay. Gen nou, ti sa ou te gade comment c'est fini. Mais je dis encore, il retourne après tirer ses dans tirer là pendant ces temps misère grand goût souffrance calamité et peuple haïtien a commencé et je dis en moi que chaque haïtien comprenne que problème qui est là que
Pas qu'il y a aucun secteur qui voulait pour le résoudre. Et tout secteur qui a chanté kata moi, je suis metté, je suis ramassé, je suis cela, yon pas de volonté pour que le problème qui est là, tu es capable de résoudre. Parce que ça qui est là, il y a des secteurs qui font bien, et ça qui est là, il y a des secteurs qui arrangent. Mais pendant que le peuple haïtien lui-même apprend souffrance, apprend calamité, a enduré ou ensemble problème. Et problème yo multiple. Et ça va me dire, qui fierté gagné, le ou nek, ou elle était tout conseiller président, ou elle était tout ministre, alors que chaque jour levé ou baigné, ou habillé, ou mette parfum sur, ou monte machine, ou cap zoom, pile sécurité de yon, ou aller en bureau, soit elle veut le travail. Qui d'ailleurs va le faire? Mettre parfum Blaise. Pas connecter ça mettre parfum sur. Pas connecter ça au compte bien. Messieurs dames ça. Pas quoi compte mettre parfum. Je sens la boue. Je sens sang, cri, peuple. Soit dans au des pays. Cap dégager mauvais sang cadavre. Femme tant que petite fille, femme enceinte, vieillard, cou handicapé, c'est sang cadavre nek ça au gain. Nek ça pas mettre parfum sur. Messieurs dames ça disons, pas connait mettre parfum sur. À part de ça, si on te connait mettre parfum sur, yo te connait bien, yo te connait propre, yo te connait senti bon. Nous garantissons que vous avez arrangé pour vous être assez payable de cette façon. Je dis, avant de comprendre bien, que monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo, m'a demandé côté fierté à là. Parce que, vous imaginez que, avant-hier, avant de dire, l'estival a présenté bilan 6 mois qu'a pété à là. Depuis 25 avril. Depuis 25 avril, que un cap pété existé là. Vous mettez gouvernement, vous mettez déjà la police. Yo met au qui ben bay ma konne comité si comité sa comité patati patata c'est l'autre bord. Yo met au cas épée manqué morceau et nèg yo konne clairement que yo pas prend aucune disposition pour yo river organiser élection. Nèg yo fait temps passé. Quel que soit le conseiller, quel que soit le et gouvernement. M'apprendre que gagné chef cabinet PM non qui c'est Nesmi Maniga monsieur dit que dans ce match 9 monsieur dit PM n'a été sous-estimé ça gagne la comme problème dans pays comme insécurité faut que nous dire clair pour que nous comprenne il était sous-estimé ça gagne la comme problème insécurité là il fait venir maman bef ça que monsieur te mettait petit bout de place où il te descend en bas la ville t'es bien les amis. Chef cabinet PM Garikoni, Nesmi Maniga, et qui c'était ancien ministre éducation dans gouvernement transition Ariel Henry. Elle dit, Nesmi Maniga fait tout 32 mois Ariel Henry comme ministre éducation. Elle avait dit, l'ité connaît problème qui était là. Et puis, l'ikounia vin chef cabinet PM Garikoni, l'itou consacre PM Garikoni était sous-estimé ça qui était là comme insécurité. Ah, messieurs, pas fait payer à ça, non. Et, m'le comprenne ça, m'di, oui. PM a connu, après 4 mois gouvernement, là, mette au total 6 mois gouvernement, mette avec KPT, je te sous-estime question insécurité. PM, et c'est là le problème n'a posé. Parce que, on a qui fait 11 ans, mais 12 ans en Europe, elle pas vivre dans le pays, hein. Et puis, influence internationale, influence États-Unis, eh bien, force et pile bon si konze, si soufflant tsou, et tel messe dans le KPTA, hein, yo votel, et puis, kounya la, et puis, avin di, nega avin di, li sous-estime problème de sécurité, hein. Et en plus de ça, que kounya ou de le KPTA goumen avec koni, yo besoin si, yo besoin ça, a y di, pour montrer nous, peuple haïtien, hein, on est chef CSPN, on est premier ministre au pays, ministre intérieur, qui prend un job la vin prend, pour chef cabinet, ou PM n'a été sous-estimé question de sécurité. Les haïtiens, c'est parce que les haïtiens, Blaise, si les haïtiens, ils connaissent 10 dernières années qui sont passées là, le pays a fait face avec une insécurité grandissante, une insécurité sévère, qui liée avec grand banditisme, qui même annexé avec terrorisme.
Parce que c'est ça qu'a fait yo là, yo vient dans niveau terrorisme côté un groupe nèg déplacé avec fusil d'assaut dans main yo que les États-Unis à travers ambassade yo bay avec nèg qui a ta. Faut que nous clair chaque fois qu'il a parlé de ça. Faut que nous dit c'est les États-Unis à travers ambassade qui ont en dedans pays hein qui distribuent armes par le biais quelques grands politiciens sentis qui en dedans pays hein, quelques nèg qui dans secteur privé des affaires qui mettaient ça nèg là. Faut que nous clair pour nous dire parce que Dennis Hopkins l'a confirmé pour nous. Après, la ligne, Madame la ligne te fin fusionné, réseau criminel, lui-même, lui continue, d'une fait chemin. Et je dis, moi-même, c'est pas non décrété personnel non grata avec une personnalité. C'est décrété personnel non grata avec ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Tout le monde qui pensait qu'il y a quatre batailles, qui croit dans la bataille, c'est position ça pour nous. Nous mettons face de l'autre côté. Nous cherchons l'autre allié, nous cherchons l'autre ami. Parce que nous ne savons pas même nous ouvrir de la situation. Yo te pour te prioter accepter d'accord qu'on est indépendant dans bataille nous et yo déclarer faut que tout temps mettez nous dans goumen faut que yo pas quitter nous ini si yo quitter nous ini n'a trop pour yo yo mettez bataille au rang nous yo mettez bataille dans mitan nous malheureux pas qu'être conse ou pas qu'être traite ou pas qu'être nèg depuis yo fait yo trouvé dans situation difficile yo pas qu'à manger yo pas qu'à boire yo pas de bicyclette je dis y a goumen yo mettez dans condition avec un physio dans main pour qu'a bien belle machine nèg pas poser un bloc un jour. Nego ge pi gros appartement qui n'a pas de presse. Tant qu'on vite l'homme innocent. Nego pas pose un bloc un jour. Yo pas compris un grand bloc. Nego ge pi gros appartement qui ça va faire avec appartement ça. C'est si là qui dans diaspora, cap bay journée. Yo saisi casa là, y a vivre là-dedans. Qui est-ce qui va en mission? Les États-Unis d'Amérique qui va en. Qui est-ce qui va en mission? C'est Konze Trek qui président, sénateur, qui député. En plus on dit que les États-Unis pas capable mettre sécurité dans pays. Oui, nous connaît que les États-Unis pas capable mettre sécurité dans pays. Mais li cap vinn mettre insécurité. Li cap vinn mete insécurité pendant le film mete là et puis la chercher protéger intérêt quel gen en Haïti et nous même peuple haïtien. Est-ce que nous va chercher protéger intérêt pas nous bien n'a quitter au côté faire ça faire parce que son moi même que les sous ça désir moi que sous ça je dis à pas que mon cap fait comme le bagaille que ça gueule comme réalité ou innocenté les États-Unis la donne ou innocenté m'a connait l'Occident la donne qu'on y a là en même temps tout cas dit que tout conseiller yo. Comme gena ou pas dans Haïti, gena ou pas dans Haïti non? Gena yo et à l'étranger et puis il y a un job capitaine hein. Gena ou pas dans Haïti. C'est relé yo, il y a prend job et conseiller dans capitaine. De même pour Gary Koni. Alors Gary Koni pas jamais connait pendant 3-4 ans, 5 ans là, ça passé dans la Tibonite. Il pas jamais connait pendant 3-4 années là et Canaran bloqué, Matisse bloqué. Bon, Nesmi Mani Gab ministre éducation li connaît clairement que pays a bloqué. A dit on est campé je dis. Et ça fait me que pays ici comprendre. Je dois même cap garder dans parce qu'on qui côté campé. Quel que soit tes conseil ou t'a supporter dans capété hein. Quel que soit tes ou t'a supporter et Koni ou tes ministre. Ça fait garder derrière. A fait garder Bunga ou derrière. C'est je dis et pays a besoin faire. Et pays a besoin libérer. Son pays ne besoin libérer, son pays ne besoin sauver. Nous pas d'accord que des nèg passé dans bêtise. Des moun qui là pour ba nous sécurité, des moun qui là pour ba nous comme si pour permettre que ensemble doit respecter. Et puis là, on est capé le chef cabinet ou ministre, là pour que PM n'a sous-estimé insécurité te grand dans pays hein. Et même nèg ça te ministre pendant 32 mois avant que PM n'a devenu là. Parce que nèg ça qu'a parlé hein, madame petit libre en Haïti. En pile nan moun ki la yo, soit comme ministre ou comme membre dans capété. Madame petit ban Haïti. Non, mais Mario ban Haïti sa petit yo. Ou imagine le jeudi hein, ki côté moun soyé nou abdormi. Ki côté abdormi. L'autre don jeune garçon dit que li prend 15 l'année pour font ti kay. 15 l'année et même c'est ami que beaucoup même mettre dans kay ça. Et puis, non, nuit, bandit, boule, le bouli. Et puis, quand on bêtise, on radote, on vagabond, on s'en sale campé, à Pinzouke, oh, yo te sous-estime insécurité, te gagnant. Pendant ce temps, depuis 6 mois, 4 mois là, y'a pile l'argent, pile privilège. Y'a goumé entre eux parce que l'argent pas débloqué pour yo. Si moun baka l'école, je dis à un monde qui sort dans la réponse de presse, son héros, oui. Son héros. Là, imagine que deux demoiselles adolescentes, 17 et 16 ans, qui prennent balle marron dans la tête qui mourent.
Comment senti ou hein Nesli Maniga comme chef cabinet ban autorité qui la yo les femme enceinte qui gen 8 mois qui ça c'est pour la coucher li pou bal li mouri ah ça m'a sous-estimé et ben on comprend que ne faire là pour capable craser pays hein même baba non menti ouais l'argent ça on apprend là n'a mouri pas cancer tension a touyer nous si cap touyer nous n'a dépenser le mal parce que ne fait peuple ça trop mal n'a dépenser mal dans maladie nous parce que ne fait peuple ça trop mal nous trois méchants messieurs dames nous trois méchants nous prenons peuple nous piger peuple là bon même mais sacrété qu'on a ici là non on a piger là non mais sacrété dans Haïti là pour les gars piger et mais sacrété dans Haïti là encore pour que international a piger comme ça mais sacrété mais sacrété encore là non mes amis mais sacrété encore on met ba nous tirer là finage Haïti allez Haïti a tellement pas arrêté encore tout côté tel baï sous votre lit tout côté tel baï sous votre lit tout côté tel parce qu'il a gagné encore. Je dis à comment sentir nous. Je dis à comment comprendre nous. Je dis à comment nous même comme nous les têtes nous et ministre directeur général et conseil président comment sentir nous ben vagabond que nous est vagabond que nous est. N'a crasse au pays. N'a crasse au pays après tout ça nous fin voler nous fin piller nous continue à piller voler encore. Madame c'est désir parce que moi pas clou dans détail comme ça. La situation moi-même parce que nous avons un peuple qui trop vague, un peuple qui par contre valeur, un peuple qui par contre potentialité pays. Qui permet aujourd'hui, hein, République Dominicaine, Mexique, et rentrer, même Jamaïque, rentrer dans l'initiative, entasser, voyez pas bonne papaquet haïtien. Parce que en pile, non haïtien, yo plus pour essayer de courir, quitter pays, y'a qu'à porter solution, et qu'à permettre que sauvegarder la vie. Au lieu, y'a arrangé pour rentrer dans une véritable bataille, pouvait gagner terre sacrée ça que Jean-Jacques Dessalines était mouri pour lui. Elle te dit espace ça nous pas héritier avec blanc là-dedans. Espace ça c'est espace pas nous lié comme haïtien. Il était bataille pour te quitter pour nous comme bien-être. Malheureusement les conzé les Jean-Jacques Dessalines t'a bataille, il était gain conzé bon côté, il était gain traite bon côté, mais conzé au vin 4 fois plus sous territoire aujourd'hui. Cap vend conscience, cap vend namio, cap vend terre d'Haïti. Ça cap passé là, c'est même bagay que nèg t'a fait et en Afrique. OK? En République démocratique du Congo, c'est même bagay ça que nèg t'a fait. Mettez instabilité, insécurité. OK? Et puis pour cap puiser ensemble de ça qui gagne dans sous-sol dans sous-sol pays ça yo. Et yo arrangé yo yo prend contrôle un groupe qui dans l'état ensemble monde qui a venu comme président ensemble monde qui a venu comme ministre ensemble monde qui a venu comme directeur général c'est des